it is possible for us to anticipate the scope of these new principles and new rules that will be embedded in this new general data protection regulation, which is certainly a key piece on the whole European data protection reform that it's now ongoing. Said this, the way we have prepared the panels and the topics that the speakers will deal with are divided among, before the coffee break, two panels. We will talk about the new controllers and processors' obligations, as well as new rights of data subjects. And also, we will address some new data processings and how these new data processings will be affected by this new general data protection regulation. And after the coffee break, we will have other two panels on applicable law and jurisdiction, and also a very interesting approach on how organizations, not only from European Union, but also abroad the European Union, namely the US and the Central and South America, are now tackling this new regulation that will be very promptly adopted. So we will end up with very brief closing remarks. And I also, before giving the floor to now, our guest star today, but also the rest of the speakers, which are not robots, actually, I would like to just remind you are probably aware of it. It has been a very important landmark judgment of the ECJ. It's the Schrem case where the ECJ has decided to invalidate the safe harbor decision. You probably know that this decision permitted the transfers of personal data from European Union to US. And now it is clear, after this judgment was rendered, that this type of transfers relying only on safe harbor decision are unlawful. And this is quite problematic, of course, because there are thousands of companies who were relying on this decision. So now companies have to think, and there is no one-size-fits-all solution, what are the legal base that can allow these European companies or companies established in the European Union to transfer data to US. We have model contractual clauses, we have binding corporate rules, you have also consent as a derogation, you probably know this, but it's not always complicated, it's not always simple to, for instance, rely on binding corporate rules, because they are very costly. It takes a lot of time to get the approval of these binding corporate rules, and probably it's not the best solution for small and medium enterprises. Model contractual clause, on the other hand, also pose some difficulties because they are not flexible enough to adapt to the needs of companies normally, and the derogation is, a consent as a derogation is also weak in the context, for instance, of processing data of employees. So we will see what happens. It's quite interesting because the Article 29 Working Group said after this judgment that BCRs and contractual clauses are still valid mechanisms to transfer data to the US. And also they have said that they will not take enforcement action until the end of January 2016. So there is also kind of form of grace period. So companies and we lawyers have a little bit time to reflect on this and see how we can best advise our clients to transfer data lawfully to the US. Of course, the best solution, but not always the most practical, is decide not to transfer data to the US. So locate the data in service within the European Union, but of course this is not always feasible. Sometimes it is absolutely needed to transfer data to the US. So again, you can see this judgment from the ECJ
leave us some room to think about how we can best advise and help our clients to be lawful. And now our guest star, now, which is here, he will say some words, and Sébastien Fanti, who is a lawyer and who is also Data Privacy Commissioner in Switzerland, will also address us a brief presentation on this great robot. So I give you the floor, Sébastien. Well, blackout. Okay, thanks. Yes, gracias. C'est quelle ta présentation? La vingtaine. Merci Marc. Je vais être très bref parce que nous avons un programme chargé. Donc, dans le cadre de ma petite introduction, vous avez tous vu Nao tomber. Vous vous êtes tous dit, certainement, que ce robot a des limites. C'est un joli jouet, on peut vivre avec lui, il est très sympathique, il plaît beaucoup. D'ailleurs, on s'y attache très vite, mes enfants s'y attachent beaucoup, ils le considèrent d'ailleurs comme leur petit frère, puisqu'il vit à la maison. Et en réalité, ce n'est pas du tout ça. Cette image, c'est l'image d'un photographe français que j'ai acheté pour la mettre dans mon bureau, dans mon bureau comme Data Privacy Commissioner, pour rappeler à mes collaborateurs que même si on pense que ce robot a des limites et qu'une des limites physique. Vous voyez, il y a un peu d'humour puisque vous avez une clinique pour les yeux qui est derrière où on dit qu'on va même examiner les robots. Eh bien, ça n'est pas du tout ça. Le petit robot que vous avez vu ce matin, eh bien, il va aller dans la Station Spatiale Internationale. Il a été customisé, c'est un terme de jeune, mais adapté pour pouvoir transmettre des connaissances entre les équipages des stations spatiales par une équipe de chercheurs français. Ce robot est capable de conduire une voiture. Ce robot a des capacités quasi infinies, pour autant qu'on le programme pour le faire. Donc, en réalité, sous des airs, sous une apparence d'être un jouet, ce robot, peut-être qu'un jour, et je le dis toujours aux gens qui doutent de la robotique, c'est peut-être lui qui vous fermera les yeux quand vous quitterez ce monde, puisqu'en réalité, un des secteurs de croissance des robots, c'est le secteur du troisième âge et de la gériatrie, où on a besoin de compagnons de fin de vie. Et les compagnons de fin de vie qui sont actuellement développés sont notamment des robots. Et puis, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de robots aujourd'hui? On est en train de parler d'une nouvelle réglementation européenne. Eh bien, je vais vous répondre avec un petit cas suisse, un cas que le préposé fédéral a traité. Qui dit robot dans les salles d'opération, dit robot pour s'occuper de votre voiture, dit robot pour s'occuper de la station spatiale, et puis qui dit effectivement action, également pour un robot, dit peut-être omission, erreur. Eh bien, nous avons eu en Suisse un journaliste qui a voulu savoir si un robot médical, qui s'appelle Da Vinci, avait généré plus d'erreurs que des médecins. Et pour ce faire, il a fait une demande de transparence pour avoir tous les cas qui avaient été traités avec ce robot et pouvoir ensuite écrire un article. Demain, vous aurez des gens qui seront opérés par un robot. Le cancer de la langue se diagnostique mieux par un robot que par un être humain. Et puis, lorsque ce robot vous opérera, peut-être que ça ne se passera pas bien, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme héritier, comme successeur, comme proche ou membre de la famille, vous allez demander un accès aux données. Vous allez exercer un droit fondamental aux données. Vous allez dire, je veux voir les données du robot. Je veux m'assurer que le robot n'a pas commis d'erreur. Et ensuite, je veux pouvoir me retourner, si erreur il y a, soit contre celui qui a développé le robot, soit contre celui qui l'a mis en service dans un hôpital. Eh bien ça, c'est un des pans les plus importants du développement que nous allons avoir dans les prochaines années, notamment, non pas seulement avec ce robot Nao, mais avec les voitures autonomes. Quand il y aura des accidents mortels de la circulation, vous pouvez être certain qu'on va faire immédiatement appel aux normes en matière de protection des données. Et c'est donc très important de pouvoir, dans le trend actuel qui est à une régulation plus forte, comprendre que les robots objets sont aussi l'objet d'une régulation plus forte. Je voulais revenir sur l'arrêt Schrems parce que, pour moi, l'arrêt Schrems,
c'est un arrêt qui m'a un petit peu, je vous avouerai, surpris comme commissioner et pas comme avocat, puisque quand j'ai vu les conclusions de l'avocat général, je me suis dit, il a travaillé, M. Beau, qu'on avait pu mettre en doute dans des fonctions antérieures en France, a fait un travail remarquable en termes de résumé de normes et de doctrines. Et donc, je pense qu'il est vraiment prêt à défendre cette position, il va gagner. Donc je l'ai appelé le jour où il a rendu ses conclusions dans l'arrêt Schrems. J'appelle Luxembourg, j'ai dit, moi je suis un commissioner en Suisse, je pense que vous allez gagner. Dans combien de temps la décision sera rendue? Et là, il y a eu... on ne me l'a pas passé, donc c'est sa collaboratrice qui m'a répondu. Il y a eu une petite latence. On n'a pas pu me répondre, et puis on m'a dit qu'il fallait écrire un mail. Donc vous l'avez vu, tout le monde a annoncé que la décision serait prise après plusieurs mois. Moi, mon Data Privacy Commissioner pour la Suisse m'a dit que ce sera après 1-2 mois en tout cas. Et puis en réalité, le 6 octobre déjà, soit 15 jours plus tard, la décision a été prise. Le problème, c'est le temps. Parce que le 6 octobre, vous avez une décision. Le 16 octobre, vous avez le groupe 29 qui réunit tous les préposés à la protection de données européens et la Suisse notamment, qui prend une décision qui dit on va laisser un délai, Marc l'a expliqué, jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais moi, pendant ce temps-là, je dis quoi aux gens? Je fais quoi? Je leur dis, écoutez, on attend, c'est wait and see, on ne s'inquiète pas si vous avez des données aux États-Unis. Moi, j'ai des administrations publiques qui envoient des données aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Actuellement, on a une procédure en Suisse contre Coursera. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Coursera, ce sont des MOOC online. Eh bien, il y a un procès à New York contre Coursera. Est-ce qu'on utilise Coursera dans l'administration publique? Qu'est-ce qu'on fait avec cet arrêt? Donc, le problème que nous avons, c'est justement la petite explication qui est en bas. On ne peut pas rester calme et attendre. C'est pas possible. On ne peut pas, et surtout quand on conseille des entreprises. Il faut être extrêmement réactif et prévoir un certain nombre de stratégies. Nous, la stratégie 1, ça a été de classifier les transferts de données en fonction d'envoi de données ou non aux États-Unis. Ensuite, on verra ce qu'on va faire au mois de janvier. Donc, pour terminer, je vous ai mis un petit... Parce que c'est trendy actuellement Star Wars, mais je vous ai mis un petit Star Trooper avec une baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique en matière de protection des données. On va avoir d'autres décisions de cette cour, qui est devenue la cour de référence en Europe en matière de protection des données. Il faut le reconnaître. C'est la cour qui attire tous les regards. C'est la cour qui rend les décisions importantes. Eh bien, nous allons devoir nous adapter et adapter les bonnes pratiques à très brève échéance. Et je vous ai mis ce que Sophos a distribué. C'est un livre blanc de Sophos à ses clients suite à la décision dans l'arrêt Schrems. Que dit Sophos? Sophos dit un certain nombre de choses et dans les conclusions, elle dit « Il faut maintenant crypter. C'est le chiffrement qui est la solution de l'arrêt Schrems. Il faut crypter toutes les données. Comme ça, quand vous aurez crypté vos données, on ne pourra pas vous faire de reproches de les avoir envoyées à droite, à gauche ou au milieu. » Parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, hein. Il y a d'autres pays qui n'ont pas le niveau de protection adéquat, le Japon notamment. Il y a quand même beaucoup de données qui sont échangées avec le Japon, qui posent également un problème. Eh bien, il n'y a pas de solution magique à tous ces problèmes de transfert de données. Par contre, on va avoir la nécessité d'une approche pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juristes seuls ne seront plus à même de décider du sort de ces données. Parce que pour pouvoir décider du sort de ces données, il faut déjà être capable de les comprendre, ces données. Elles ont une vie qui est intrinsèque et autonome. Certaines données ont l'air totalement anodines, et puis en réalité, elles peuvent avoir un impact. Dans le cadre du réseau auquel j'appartiens à Lexing, on avait fait un petit échange sur le fait de savoir si quand quelqu'un était fumeur, ça a un impact. Est-ce que c'est une donnée sensible, le fait que la personne soit fumeur ou pas? C'est une question qui peut vous paraître anecdotique, mais elle peut avoir une implication juridique. Donc on va devoir construire ensemble un framework patiemment. Ça ne se passera pas dès l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Il faudra du temps. Et pour ce faire, vraiment, on va avoir besoin d'outils. D'outils qui n'existent pas. Et parmi ces outils, on va avoir besoin de classification, on va avoir besoin de logiciels de gestion de données et autres pour éviter que ce soit le capharnaüm. Et c'est à ça qu'on travaille déjà, en tout cas chez nous, pour éviter justement que les sociétés et les administrations publiques notamment ne soient démunies. Parce que vous leur fournissez des conseils juridiques qui vont vous dire « c'est magnifique, j'ai le meilleur avocat du monde ». Mais en pratique, on fait comment? Donc il va falloir, dans le cadre de cette régulation nouvelle, adapter les pratiques. Et les adapter, ça veut dire aussi apprendre un nouveau métier qui sera celui d'être capable de faire matcher les normes avec les installations, avec les processus, avec les robots, avec les téléphones portables. Et je n'ai qu'une chose à dire pour terminer, que la force soit avec vous, parce que nous allons avoir beaucoup de travail pendant les 2 années de transition.
et certainement encore beaucoup de travail après ces deux années de transition. Voilà, je vous remercie pour votre attention. En espagnol. Bonjour à tous. Je vais faire mon exposé en français au sujet des nouvelles obligations qui s'imposeront aux responsables de traitement et éventuellement aux sous-traitants. Les DIA qui vont suivre seront en anglais pour vous permettre de suivre. Comme cela vous a été dit, nous aurons un délai de 2 ans pour nous préparer à l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Ce qui n'a pas été précisé, c'est que ce délai de 2 ans, donc, évidemment nous devrons l'utiliser pour nous préparer, nous en tant qu'avocats, à pouvoir aider nos clients, mais aussi au bout de ces 2 ans de préparation, eh bien, ce ne sont pas seulement les nouveaux traitements qui devront être conformes au règlement, c'est également toute la situation antérieure. En effet, à l'heure actuelle, rien n'est prévu dans le projet de règlement qui spécifierait que ce serait uniquement les nouveaux traitements pour lesquels les nouvelles obligations seraient applicables. Et donc, vos clients sont parfois très satisfaits d'avoir jusqu'ici sollicité un audit vie privée et d'avoir, selon les pays, fait une simple déclaration, notification et dans certains cas, avoir sollicité une autorisation pour demander certains traitements, vous demander à réaliser certains traitements et pensent être conformes à la législation actuelle et pensent ne devoir vous consulter que s'ils devront développer d'autres traitements à l'avenir. Bien, pas du tout, il va falloir repenser, en ce compris, les traitements qui sont déjà réalisés actuellement. Et donc, dans ce nouveau règlement, il y a 3 champs d'action pour augmenter la protection des données à caractère personnel. Voici un petit plan, je ne développerai pas tous les points qui feront l'objet des exposés ultérieurs, mais donc parmi ces 3 champs d'action, ce sont des nouvelles obligations. Comme je viens de le rappeler, actuellement, il y a simplement une obligation de déclaration et dans certains cas de demande d'autorisation qui s'accompagne d'une publication dans un registre public consultable par tous. Ce sont les seules obligations du responsable de traitement. Il doit également traiter les données de manière sécurisée. Cette obligation demeure. Dans le futur règlement, ces obligations sont considérablement alourdies et elles se situent en amont, avant le traitement et aussi à tout moment du traitement, afin de pouvoir démontrer qu'on est compliant vis-à-vis de la nouvelle législation et qu'on peut répondre à toute demande de l'autorité de protection des données nationales. C'est le premier angle d'action des nouvelles obligations renforcées. Deuxième angle d'action, c'est cette obligation de maintenir une documentation à jour et de pouvoir répondre à n'importe quelle demande de l'autorité nationale. Donc ça va vraiment permettre de conscientiser au jour le jour les entreprises et d'assurer un respect effectif de la législation, ce qui peut-être actuellement n'est pas le cas. Le troisième angle d'action qu'a adopté ce nouveau règlement, c'est l'imposition de sanctions très lourdes, qui seront calculés en fonction du chiffre d'affaires des sociétés en infraction. Et cela, évidemment, ce troisième angle d'action va permettre de donner une réelle effectivité aux 2 premiers, puisque c'est l'élément qui va permettre de faire comprendre aux entreprises qu'il est de leur intérêt de respecter ce nouveau règlement. Donc, parmi ces nouvelles obligations, certaines doivent être effectuées en amont et d'autres en aval. Donc, prenons l'exemple, afin que ça soit réellement concret pour tout le monde. Nous devrons conseiller nos clients sur l'adaptation au nouveau règlement, mais peut-être pensons avant, pour conseiller de manière utile nos clients, à, en tant qu'avocat, les traitements qui sont effectués dans notre cabinet. Nous avons déjà effectué des déclarations, mais que devons-nous faire pour nous préparer nous-mêmes, en tant que responsable de traitement, au nouveau règlement? 3 choses sur lesquelles on doit se poser une question, c'est
est-ce qu'on devra désigner un délégué à la protection des données. Ça faisait partie des nouveautés du règlement. Ce délégué à la protection des données, eh bien, au départ, il avait été envisagé de l'imposer au-dessus d'un certain nombre de données traitées, au-dessus d'un certain nombre d'employés. Actuellement, on en a plus rien. En l'état actuel, il n'est pas imposé d'avoir un délégué à la protection des données, mais par contre, ultérieurement, tant l'Union que les États membres individuellement pourront imposer un délégué à la protection des données dans certains domaines. Donc là, on est face à une inconnue. Ce délégué à la protection des données, eh bien, il pourrait être soit un employé, qui dans ce cas devra avoir de réelles ressources pour pouvoir exercer ces nouvelles obligations et pas simplement une nouvelle casquette en plus des autres et concrètement aucun pouvoir. Il devrait être indépendant, donc pouvoir reporter à la direction les problèmes éventuels et ne pas en subir les répercussions. Et dans cette optique, il sera protégé contre un éventuel licenciement qui serait motivé que par ses raisons. Et quelles seront les tâches du délégué à la protection des données? Eh bien, ce sera tout au long du traitement des données, lors de la conception des traitements. Donc, à chaque développement d'un nouveau produit, par exemple, un nouveau concept qui est introduit, c'est le privacy by design, c'est-à-dire que dès l'entame, il faut penser à allons-nous traiter des données, pouvons-nous minimiser les traitements de données, pouvons-nous minimiser les risques. Et dès le départ, donc, le délégué à la protection des données devra être impliqué. S'il y en a un, s'il n'y en a pas, il faudra quand même prendre cet aspect en compte au mieux. Et lorsque les traitements auront lieu, eh bien, le délégué à la protection des données devra veiller au respect de la législation, veiller à la formation du personnel et à conscientiser le personnel sur les responsabilités et les risques qui sont encourus par les traitements de données. Et surtout, le Data Protection Officer sera là en première ligne si quelque chose se passe mal et que des données fuitent. Cet aspect, les fuites de données, sera évoqué par Elisabeth Paul par la suite, mais je peux simplement vous dire que le Data Protection Officer sera la personne de contact, tant pour le public qui aura les coordonnées mises à disposition, par exemple sur le site internet, que pour l'autorité de contrôle, ça sera la personne à qui on va s'adresser et qui devra pouvoir répondre. Donc voilà pour le Data Protection Officer qui n'est pas encore obligatoire à l'heure actuelle, mais en tout cas, quelqu'un devra remplir cette mission. Qu'une personne soit formellement désignée ou non, concrètement, ça ne changera pas les obligations qui pèseront sur l'entreprise. Deuxième aspect, avant de réaliser un traitement, et donc pour régulariser les traitements qui sont déjà faits actuellement, il faudra réaliser une analyse d'impact. Actuellement, on ne voit pas encore, si on cherche, on voit ce qu'est une analyse d'impact, mais par rapport à la législation actuelle, c'est tout à fait nouveau. Actuellement, on ne se pose pas les questions comment peut-on minimiser les risques pour les données. On déclare et en disant quelles sont les mesures de protection qui sont prises actuellement. On ne se demande pas si c'est suffisant ou non. Eh bien, ça sera un autre mécanisme. Il faudra se demander est-ce qu'on fait tout ce qui est nécessaire. Et si on arrive à la conclusion que non, eh bien, l'objectif et le résultat de cette nouvelle obligation sera que d'elles-mêmes, les entreprises vont améliorer leur protection des données à caractère personnel qu'elles traitent en constatant elles-mêmes que c'est insuffisant. La CNIL a cet été édité un modèle d'analyse d'impact qui peut être pris comme exemple et donc qui aboutit, là c'est explicitement précisé, à ce que les entreprises arrivent d'elles-mêmes à améliorer le niveau de protection au terme d'une réflexion. Et donc, ce modèle pourra être suivi comme exemple par nous, avocats, ou par les entreprises. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se penche sur cette question. Et le contenu de cette analyse d'impact, eh bien, ça paraît évident. C'est quels sont les risques, que peut-on faire pour les minimiser, et surtout, quelles sont les mesures que nous allons mettre en place pour démontrer la compliance. Compliance qui va aussi faire l'objet d'un exposé suivant. Et donc, dès le début, il faudra savoir ce qu'on va faire pendant toute la durée du traitement.
cette analyse d'impact préalable, est-ce qu'elle devrait être effectuée dans tous les cas? Eh bien non, il y a, comme dans plusieurs réglementations européennes, une liste de cas, une liste noire, une liste blanche, et entre les deux, une zone grise dans laquelle il faut déterminer si oui ou non c'est utile de faire cette analyse d'impact. La zone noire, les cas dans lesquels il faut toujours réaliser cette analyse d'impact, vous voyez, c'est... Merci Nao. Donc l'analyse d'impact devrait être réalisée lorsqu'on fait du profiling à partir des données, lorsqu'on traite des données à caractère sensible, et donc ça, c'est une notion qui était déjà dans la législation précédente. Par contre, ce qui est rajouté, qui est considéré maintenant comme sensible comme données, ce sont la surveillance de zones publiques à grande échelle. Et donc ça, c'est une notion tout à fait nouvelle. Lorsqu'il y aura ce type de traitement, il faudra forcément réaliser une analyse d'impact. Et puis, parmi ces cas qui font partie de la liste noire, des cas pourront être rajoutés par toutes les autorités nationales. Donc, de nouveau, ce qui voulait être évité par le règlement, les disparités entre les 28 États, eh bien, ça pourra être mis à mal par les autorités nationales, et ça engendre forcément un risque de forum shopping en allant dans l'État qui sera, dont la liste des cas noirs sera la moins longue. Et donc, quand on voit ces cas dans lesquels l'analyse d'impact est obligatoire, eh bien, on voit que on a les infractions criminelles et les infractions, et donc forcément, en tant qu'avocat, nous allons traiter ce genre de données, nous devrons réaliser une analyse d'impact. Les cas blancs, si vous devez traiter des données en raison d'une obligation légale. Et d'autres cas blancs qui pourront être imposés par les autorités nationales, de nouveau, ce qui ouvre la porte au forum shopping. Et entre les deux, la zone grise, où va intervenir une notion qui est employée à tout bout de champ dans le projet de règlement. Cette zone grise, on y sera, et elle deviendra noire lorsqu'on constate que le traitement de données résulte dans un haut risque pour les droits et libertés des individus dont les données sont traitées, et quels pourraient être ces risques. Ça n'est qu'exemplatif. Discrimination, dommages financiers, dommages à la réputation, vol d'identité ou fraude, ou perte de pseudonymité, ou encore perte de confidentialité de données protégées par le secret professionnel. Et donc là, forcément, les avocats rentrent dans ce cas. Nous serons, pour deux raisons, dans la zone noire de traitement pour lesquels il faudra faire une analyse d'impact préalable. Voilà, nous avons fait cette analyse d'impact préalable et évidemment on l'affine. Si au premier draft elle ne paraît pas suffisante, on se dit vraiment qu'il faudra prendre des mesures, on la complète et on en est satisfait. Que doit-on faire? Est-ce qu'on notifie simplement, comme on fait actuellement à l'autorité de contrôle? Eh bien, ce ne sera plus une notification, ce sera une consultation. L'autorité pourra donc donner des conseils, des avis sur le fait que ça ne soit pas suffisant. Elle ne pourra pas refuser un traitement, mais évidemment, si elle donne un avis, on aura tout intérêt à s'y conformer, sinon par la suite, elle pourra sanctionner. Et que mettra-t-on dans cette consultation à l'autorité de contrôle? Eh bien, l'analyse d'impact qu'on vient de réaliser et éventuellement les données de contact du délégué à la protection des données. Ce qui change par rapport à la situation actuelle, en tout cas par rapport aux notifications actuelles, c'est qu'il y aura un délai d'attente. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra intégrer et faire passer chez nos clients qui, sinon, seront très, très peu satisfaits du fait qu'on leur impose maintenant 6 semaines d'attente pour le moment où on consulte l'autorité et le moment où elle a le droit de se prononcer. Et donc ça, c'est vraiment très important. On ne pourra pas y couper. Ce délai pourra même être doublé si l'autorité estime qu'il s'agit d'un traitement complexe. Et lorsque vous aurez consulté l'autorité et qu'elle aura, soit n'aura rien dit, soit aura émis un avis, eh bien, à ce moment, vous devrez encore être attentif à chaque moment du traitement. Donc maintenant, en tant qu'avocat, vous avez déjà fait une déclaration de traitement, eh bien, où est située dans votre cabinet la documentation à ce sujet? Où sont situés tous les contrats qui vous lient à vos sous-traitants et qui contiennent les clauses adéquates? On peut penser à toute la documentation. Vous êtes-vous assuré que tous les contrats avec vos
avec vos employés ou vos collaborateurs contiennent ce genre de clause? Est-ce que tout est à disposition si l'autorité de contrôle vous demande de le produire du jour au lendemain? Eh bien, ça, c'est le deuxième aspect. Il faudra pouvoir maintenir une documentation à jour. Et tout cet aspect de gestion au quotidien de la sécurité du traitement des données à caractère personnel, eh bien, ça va forcément inquiéter les entreprises qui ne sauront pas comment s'y prendre. Et donc, il y avait déjà dans la directive actuelle les codes de conduite, et on insiste sur l'importance maintenant des codes de conduite, on les développe, on les promeut, mais on rajoute aussi les mécanismes de certification. Et donc ça pourrait être utilisé par les entreprises comme moyen de servir de ligne directrice et aussi de se rassurer en disant, je pense qu'en suivant ce code de conduite, je fais le nécessaire et donc je peux ne pas craindre un contrôle par mon autorité nationale. Et ces codes de conduite, eh bien, ils pourront avoir jusqu'à une portée pendant toute l'Union si la Commission l'estime utile. Mais le but, effectivement, c'est que ça vise tous les secteurs d'activité et les tailles différentes d'entreprises, qu'il y ait des codes de conduite adaptés à chaque situation. Et le mécanisme de certification qui va être introduit par le projet de règlement, lui, veillera plutôt à une communication vis-à-vis du public, qu'il pourra être symbolisé par un nom ou par un logo. Et là, ça permettra à l'entreprise de faire valoir une compliance en faisant un atout commercial qui pourra être vraiment facilement reconnu par le public. Et donc, c'est remarquable que ça soit intégré dans le projet de règlement. Sinon, on peut craindre que cette idée de toute façon ait été reprise par une ou l'autre autorité privée qui on aurait fait un profit sans qu'il y ait une vraie vérification par l'Union européenne. Tandis qu'ici, il y aura un contrôle sur les certifications. Ce sera soit par les autorités nationales, soit par les entités qu'elles auront autorisées à effectuer les contrôles. Et donc, ça pourrait être quelque chose sur lequel on se fie. Dernière remarque qui est importante par rapport à ces deux mécanismes de code de conduite ou certification, c'est, on insiste sur cet aspect pour la facilité des entreprises et pour les consommateurs, mais en aucun cas, ça ne réduira la responsabilité du responsable de traitement qui devra tout autant répondre en cas de fuite de données que s'il n'avait pas adhéré à ces codes de conduite. Et d'autre part, ça ne réduit pas non plus les pouvoirs de contrôle de l'autorité nationale qui sont vraiment augmenter dès que le règlement sera en vigueur et comme on va vous l'exposer par la suite. Dernière obligation qui peut paraître la moindre mais qui ne doit pas être négligée, c'est, j'avais commencé par là en vous demandant où sont toutes les données relatives au traitement de données à caractère personnel dans votre cabinet, eh bien ça devra être une obligation en soi. Pour qui ? Presque pour tout le monde. Ce sera pour tous les responsables de traitement ou pour tous les sous-traitants employant plus de 250 personnes. Ça va déjà en soi viser un certain nombre d'entreprises. Et pour les entreprises qui présenteraient une taille plus petite, eh bien, elles devront quand même respecter cette obligation de documentation dès que les traitements pourront causer un risque élevé pour les droits des personnes concernées. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque nous parlions de la zone grise, on se retrouve assez vite dans cette zone grise, et alors à ce moment-là, c'est au rôle de l'avocat de savoir si, oui ou non, ça présente un risque élevé. Mais pour ce type d'obligation, eh bien, ça n'est pas bien compliqué de tenir une documentation. Et c'est un des éléments qui permettra de prouver à l'autorité nationale de contrôle que c'est un problème dont l'entreprise est bien consciente et qu'elle prend au sérieux, et donc elle a une documentation très à jour. C'est une obligation simple à remplir et qui permettra d'obtenir une compréhension de l'autorité de contrôle si malgré tout quelque chose on perd le contrôle d'un élément. Jusqu'ici, on a été très compliant, on a gardé toute la documentation, même si le risque élevé on pouvait en douter, on a préféré respecter le nouveau règlement et ça sera un élément qui sera vraiment pris en compte par les autorités de contrôle si jamais elles devaient appliquer des sanctions. Donc
cette dernière obligation qui paraît la moindre ne doit pas être négligée parce que c'est un des garants des autres obligations et c'est aussi la plus simple à respecter. Donc ça serait dommage de s'en priver. Je vous remercie pour votre attention. Tous. Je remercie de me donner la parole donc, sur ce sujet qui me semble primordial, qui est l'accountabilité. Le développement de cette révolution technologique, et on devrait plutôt parler de révolution économique, ne peut se faire que par le respect de l'humain, des droits de l'homme. Et c'est ce qu'a rappelé à plusieurs reprises la Cour de justice de l'Union européenne. Alors on en a déjà parlé, Marc les a évoqués. On a l'arrêt Google qui est quand même un droit de référencement, un droit qui est créé par la Cour de justice de l'Union européenne pour 500 millions d'habitants en Europe. Et c'est la Cour qui le décide dans une décision, car on avait eu les conclusions de l'avocat général qui avait conclu à la négative pour le droit de la désindexation, c'est-à-dire elle avait estimé que la législation actuelle ne le permettait pas, et la Cour a décidé. On peut pouvoir retirer du référencement Google des contenus qui ne sont pas relevants, qui sont plus utiles pour la liberté d'expression, etc. Bon, je ne peux pas revenir dans les détails de cet arrêt, il est très connu, mais on voit la Cour commencer par une première étape, il y a plusieurs arrêts, mais là c'est très significatif, et ça a été suivi par l'arrêt Digital Rights, qui est aussi l'invalidité des conservations des données de communication électronique dans les affaires pénales. Donc c'était quand même, là qu'on le dit d'ailleurs, c'est une justification, on a le droit de conserver les données de trafic ou les données de localisation pour résoudre des affaires criminelles. C'est une fin légitime, mais le traitement n'est absolument pas proportionné. Et alors elle a invalidé cette directive. Il y a plusieurs pays comme l'Allemagne qui ont arrêté cette législation. Le Luxembourg a pris une voie médiane en apportant d'autres garanties pour voir si le texte se tiendra. C'est des textes qui sont très intéressants parce qu'ils ont des impacts et des conséquences qu'il faudra suivre. Et puis l'arrêt Schrems aussi, effectivement, on en a parlé à l'instant. L'invalidité du Safe Harbor, qui était cet agrément qui permettait d'envoyer des données aux sociétés américaines à partir du moment où elles adhéraient à cet agrément. Parce que les États-Unis ne sont pas considérés comme avoir un niveau adéquat de protection des données. Et la Cour, là encore, a estimé que cet agrément n'était pas justifié suite aux résultats. Pour résumer, avec le scandale de la NSA. Donc, on voit que la Cour s'est vraiment positionnée comme gardienne de ses droits fondamentaux et l'importance qu'elle y accorde. Au niveau de l'évolution, on voit une très nette évolution de la perception de la protection des données. Donc si à une époque, c'était juste des déclarations qu'on faisait à l'autorité de contrôle, et c'était considéré aussi comme une contrainte plus que chose, maintenant on voit l'apport réel, parce que médiatiquement, il y a eu toutes ces affaires, on s'aperçoit des dangers qu'il peut y avoir au niveau de la protection des données. Et donc il y a plutôt une valeur positive à mettre en place ces dispositions. Alors pour en arriver à la compliance, alors, je vais définir le principe d'accountability. Il a déjà été évoqué par plusieurs dispositions à l'instant, mais c'est important de bien comprendre. En fait, on ne peut pas parler de compliance pour le définir en français. On peut pas. On met en place un programme de protection des données. Il faut avoir une vision globale. Je vais expliquer cette notion. Donc, il y a clairement donc. Un abandon de cette, comme je l'ai dit, de ces formalités de notification
On dit qu'on fait une économie de plus de 2,3 milliards d'euros, mais en fait, le principe de la comptabilité va au contraire aussi générer des coûts. Donc il faut quand même prendre ça en considération. Il faudra surtout employer souvent des chargés de protection des données. Donc les économies sont à relativiser. Alors, je vais prendre un exemple de vécu où un client m'appelle. C'est une fuite de données à caractère personnel, c'est-à-dire un employé a envoyé des données de sa messagerie professionnelle à sa messagerie privée. C'est pratiquement la moitié du serveur qui est parti comme ça, de cette façon. Alors on sent le client complètement désemparé. Qu'est-ce qu'il fait? Licenciement? Est-ce qu'il porte plainte au pénal? Il y a toute une période vraiment de panique. Et je me suis dit, bon, avec cette nouvelle réglementation dont on en parlait, il y a maintenant une notification à la CNTV en cas de violation de l'autorité de régulation. Il y a à mettre des mesures de contrôle, à regarder par rapport au risque, etc. Il y a une meilleure formation, une sensibilisation, parce qu'il s'est avéré en fait que cet employé avait fait ça un peu par mégarde. Enfin, il voulait se faire. Il avait décidé de partir, il voulait prendre des modèles de contrat. Donc il s'était embarqué toute la base de données de la banque. Voilà, il y avait une grosse naïveté, et puis quand on a fini son licenciement avec les médias, il en revenait pas. Bon, je ne peux pas le faire. Donc on voit vraiment le principe d'accountability apporte cette formation, cette sensibilisation, c'est très important. Et puis un autre problème, et ça c'est que les avocats ont un vrai rôle à jouer, ce sont la gestion de la crise, c'est-à-dire au sein des entreprises, aller faire des formations pour expliquer, pour aider à anticiper en cas de crise, qu'est-ce qu'on fait de fuite des données. Alors, comme je l'ai dit, la comptabilité n'est pas de la compliance. C'est un concept qui va au-delà. Donc, ce n'est pas simplement se conformer à la règle de droit. C'est tout un contexte. On prend en compte l'environnement, on prend en compte l'écosystème du traitement et dans chaque activité particulière. Alors, quand on parle ce matin des outils qu'on peut mettre en place, ce seraient des outils formatés où on n'aurait plus qu'à suivre. J'ai des doutes. Parce que vraiment, le responsable du traitement doit, voilà, est-ce que je suis dans du bancaire, est-ce que je suis dans du médical, quelle est la législation que je dois faire, il doit prendre en compte le contexte. Donc, ces outils peuvent être une aide, mais certainement pas des éléments décisifs. Et cette notion de co-régulation. Alors, on a parlé aussi beaucoup hier, ce matin, dans la session de la compliance, c'est la sanction. Si on veut que le client travaille, il faut lui indiquer qu'il y a des sanctions, qu'il aura des sanctions à respecter. Et en fait, le principe d'accountability, c'est plutôt assister le client pour qu'il se mette en conformité. Et donc, c'est un ensemble d'opérateurs qui doivent, comment dire, opérer, le responsable du traitement, le chargé de la protection des données, sous la tutelle de l'autorité, mais qui ne sanctionne qu'au dernier moment, qui n'est pas là pour sanctionner a priori. Alors, il y a ce fameux article 22, et là, je vais rentrer dans le cœur du sujet, qui parle du principe d'accountability. Qu'est-ce que, en fait, le principe d'accountability? Donc, c'est, en fait, mettre des mesures adéquates de protection des données, mais c'est surtout, c'est de prouver qu'on les a mis en place, et puis, à travers un ensemble de dispositions que je vais expliquer. Donc, par des codes de conduite, de certification. Alors, voilà, ça, c'est un petit peu le schéma pour expliquer un petit peu toute cette arborescence qu'il y a auprès du principe d'accountability. Alors il y a mettre en place des règles internes, on en a parlé, de la documentation, les études d'impact, la privacy by design, j'y reviendrai, le chargé de protection des données qui a un rôle central, peut-être même au-delà de l'avocat, il n'est pas forcément un avocat, il a vraiment un rôle central à donner, et puis toutes les notifications en cas de violation, c'est ce qu'on a parlé, notification à l'autorité et notification au client. Donc on ne peut plus faire, on s'arrange entre amis et puis on oublie tout. La législation future, il faut se préparer aux fuites et aux accidents. Alors, pour arriver maintenant au programme, exactement quand on met en place un programme, il ne faut pas parler de politique, c'est parce que ça va bien au-delà. Alors qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? On doit d'abord faire de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on doit définir les fonctions, désigner les responsables et également
le rôle principal du chargé de protection des données doit être bien défini. Et puis, tout un contrôle, c'est-à-dire mettre en place toutes des mesures de contrôle, d'évaluation par le risque, et ça, je vais insister sur ce point, rédiger des politiques. En fait, c'est vraiment une vision dynamique. Et puis, il faut s'adapter à la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'ai fait le programme, puis maintenant, je m'en lave les mains. Il faut, à chaque fois qu'on change de politique, il va falloir s'adapter et modifier ces politiques. Alors, ça, c'est un point crucial. C'est vraiment l'étude par les risques. Alors, qu'est-ce que dit exactement la CNIL se réfère tout simplement à des normes, déjà, parce qu'elle a pris des décisions, ça c'est les BIOS, qui va un peu expliquer comment le mettre en place pour la protection des données. Et alors, donc, on voit par ce schéma, on prend en compte, si vous voulez, le contexte du traitement, ça c'est important. Dans on va identifier les éventuels risques redoutés, on va identifier la menace, on va évaluer ces risques, et une fois qu'on aura évalué ces risques, on va prendre les mesures les plus appropriées pour faire face aux menaces. Voilà, donc comment se passe cette analyse ? C'est une analyse d'abord contextuelle. Alors, on identifie tous les éléments utiles de la gestion des risques, les traitements, les flux de données, ça c'est très important, hein. Les flux internes des données, les flux externes, donc comment les données personnelles circulent, leur finalité, les supports, quels sont leurs supports, quelles sont leurs faiblesses ou leurs avantages, et puis également tout le référencement bancaire, référencement réglementaire, je veux dire. C'est-à-dire qu'une banque va avoir des obligations beaucoup plus drastiques, un hôpital également, c'est peut-être moins le cas pour d'autres prestataires de services qui n'ont pas ces données dites sensibles. Après, cette analyse de contexte qui est très importante, et c'est ça qui fait toute la différence du principe d'accountability, c'est qu'on prend en compte le contexte d'un traitement particulier, on va analyser les risques proprement parlés. Donc on va définir d'abord les éléments redoutés, alors accès des données non autorisées, modification, disparition des données. Après, ces événements redoutés sont analysés au regard de l'impact par rapport à la personne concernée. Donc on détermine la gravité par rapport en fonction de l'identification des personnes. Est-ce que dans ce traitement, on peut vraiment identifier facilement les personnes ou pas ? Et on va faire une grille entre, par exemple, 1 à 10, on va donner une note. On va regarder aussi l'importance du dommage que ça peut susciter, est-ce que c'est faible ou est-ce que c'est pas faible, et on va pouvoir juger de la gravité. Après, la seconde étape, ça va être de travailler donc sur... Oui, ça va être donc de travailler sur la menace. Et là, encore une fois, on va prendre deux points. Est-ce que la gravité de la menace et également la possibilité, est-ce qu'elle a une vraisemblance que la menace apparaisse. Et là aussi, on va évaluer le risque en identifiant ces deux critères. Alors là, c'est un graphique, hein, la gravité et la vraisemblance. Et vous voyez que dans ce graphique, on a déterminé, le responsable du traitement, que l'accès légitime en rouge, par rapport à la gravité et le risque que la menace arrive vraiment, on se positionne et c'est sur cela qu'il faudra agir en priorité, parce qu'on hiérarchise les priorités. En ce qui concerne les notifications en matière de sécurité, on peut dire que, comme je vous l'ai dit, le responsable de traitement aura 72 heures pour notifier à l'autorité de contrôle, et il devra également informer la personne concernée. Il est exempté s'il a recours à des mesures de cryptage. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et puis, il y a ce fameux principe d'accountability qui est effectivement de privacy par design, c'est-à-dire toute la gestion technologique doit être vue par rapport à ce principe. C'est-à-dire que, par exemple, dès que vous créez le petit robot, et bien, il faudra qu'il soit éthique, il faudra qu'il prenne en considération, dès sa conception, les règles de protection des données. C'est ce que dit en fait la privacy par design, qui est un principe fondateur.
Voilà, et puis d'autres principes, ça je vais passer assez rapidement, c'est les codes de conduite, puisqu'on en a déjà parlé, la documentation, l'analyse, les risques d'analyse, les codes de conduite également, qui devront être pris. Donc c'est tout un ensemble de règles qui sont à prendre en considération. On a parlé des sanctions, et on a parlé aussi des mesures qui peuvent amoindrir ou même annuler les obligations du responsable du traitement. Alors, c'est l'anonymisation, la pseudonymisation ou le cryptage, effectivement, qui peuvent aider évidemment le responsable de traitement à réduire ses obligations. Et puis, alors un dernier point, donc, c'est effectivement l'autorité de régulation. Elle a maintenant un rôle vraiment actif, c'est-à-dire qu'elle doit supporter l'industrie par des PACs. Donc elle met en place toute une série de règles. Alors ça a été fait par la CNIL par exemple en matière d'assurance, en matière de finance, elle est en train de préparer des normes. Et donc elle accompagne les prestataires. Et aussi la labellisation, toutes les autorités de régulation devront mettre des labels l'entreprise les aura pris en considération et qu'elle aura été contrôlée, elle pourra s'enorgueillir d'avoir ce label de protection des données. Voilà. En deux mots pour conclure peut-être sur le rôle de l'avocat, parce qu'on peut se demander finalement dans toute cette législation est vraiment axé sur le chargé de la protection des données qui peut être un avocat. C'est certes qu'il doit avoir aussi parfois l'avocat doit comprendre l'environnement informatique. Il va mettre en place des normes, donc il y a toute une obligation pour lui de se sensibiliser à la gestion, à l'analyse du risque. Et alors on peut se dire c'est un peu éloigné de notre profession. On l'a vu ce matin, il aura toujours sa place, mais il va falloir qu'il la défende. C'est pour ça que je pense que le congrès annuel de Budapest l'année prochaine, avec la compliance, avec la privacy, avec des formations qu'on pourra faire aussi dans ce cadre-là, est très important. Je vous remercie. Good afternoon. My name is Elisabeth Tolle. I'm from the Netherlands, and I'm going to do my presentation in English. I don't know whether you have heard that last week, this week actually, we had the Privacy Week in Amsterdam. I don't know if some of you went there. No? I was also not there because I was always working. But it was an entire week with Schrems we had in the Netherlands who did the speech, and actually you got also an award of the Bits of Freedom, who is a citizens' rights association. And they provide also Big Brother Award to the persons who do not comply with the privacy law. I'm going to speak about the notification duties, and I will do it from the Dutch perspective, because in anticipation of the regulation, we already will have, as of the 1st of January, the Dutch notification duties in the Netherlands. When we talk about notification duties, we have, of course, about cybersecurity, and it's not about if you will be hacked, but it will be when it will happen. So every organization can have a data breach, not only by a hack, but also by employees who make mistakes or other kinds of things that can happen, that you lose the data. We have, of course, these examples of targets who just came to a settlement with Visa, the credit card company. That was the American example. And this is a more recent example of the adultery website. So Ashley Madison is a Canadian website. And actually, we also had a similar but smaller size in the Netherlands called Second Love, which is the same kind of website. So. And this has quite some impact on the various people around the world, and even we had suicides because of these data that were on the internet. These examples I took from the Article 29 Working Party in one of his opinions. They provided examples. We have, of course, the e-privacy directive, which also
provides notification duty for telecom providers, but now we have so the general notification duty for all data controllers in the regulation, but inland is already in advance of that. Various causes, so what I said, it can be a hack, so by persons who are hacking the system. Actually, I assisted in a hospital in the Netherlands who was hacked by a young guy of 19 years old. And now he went to prison, there were about 300,000 patient data on the internet, and there was then an investigation of the Dutch DPA. And we notified the DPA because it was all over in the newspaper, although there was not already the notification duty, but we advised to go to the DPA. And then in collaboration with the DPA, there was an investigation of 2 years. And in first they said, okay, you did not comply with the security obligations, but in the end, we managed together with the client to make the necessary amendments. And there was no fine imposed, so it ended well for the client. And although it started not, it was a bad start at the end, in the beginning. According to investigations, it's more in practice, it's about employees who access the data or lose the passwords or put it on a post-it on the computer. And then, okay, you can get access to data where you're not allowed to have access. There's a lot of money involved here, forensic experts, reputation damage, reparation costs, and of course also our costs as legal advisors are involved. When we look at the legal framework, as I said, we already have, according to the e-privacy directive, which has been implemented in the local laws, a notification duty for telecom providers. And then we will have the regulation where we have the for all data controllers, like Fanny also explains the regulation. And then in the Netherlands, we have then the amendment of the Dutch Data Protection Act, and there we will have on the one hand notification duties, but also more sanction possibilities of the Dutch Data Protection Authority. It has all to do with security obligations. You need to have appropriate security measures, and that's an open norm. That's difficult to know what exactly needs to be done, so you have to look at factual circumstances. So what kind of data are you processing? Is it sensitive data? Then you need, of course, a higher security standard. You look at the costs that are involved, who can have access to the data, what is the state of the art, what do you need there? In the Netherlands, since 2013, we have new guidelines for the security of personal data. This is a document, it's about 40 pages. It's only available in Dutch, but that's one of my complaints also, that the Dutch Data Protection Authority only provides them information in the Dutch language, so we need always to translate it for the clients. And also that it is a local document, and I understand that other EU member states have also these kinds of documents, and we work for multinationals, so what kind of document, so what kind of security measures do we need to apply for in each country? And according to this guidelines, you also have a list of all subjects that need to be in the data processing agreement, and so that one of the issues is also the notification duty, and because of the new notification duties, you need to take care of it in the data processing agreement. So now we are reviewing all the data processing agreements for our clients. So it's just about two types of notification duties. One is to the DPA, which will have a new name actually in the Netherlands. It's Authority Personal Data, Autoriteit Persoonsgegevens in Dutch. And that's one of the notification duties, and the other is to the data subjects that are involved. Even if it can, if it is one data subject, then also you might need to notify it. There are thresholds involved. The thresholds is in order to avoid that too many data breaches will be notified. They have calculated that about 66,000 data breaches will be notified to the authority, and we know that they have only 70 people working there. They're a bit afraid of the workload that will be coming there, and these notifications they will probably will done only to avoid the fines that will be there.
So there was so the discussion that so the light cases will not be notified, but on the other hand also they won't avoid that that the severe cases will also not be notified. So and they took these criteria from the regulation, and there was quite some discussions and during the negotiations. It can also have impact on foreign companies. It is about the Netherlands. It is about Dutch data controllers who have an establishment in the Netherlands. So that's the Article 4 of the directive on applicable law. But still, if you have a multinational, like for example, Mark and I assisted a multinational. That was not about a personal data breach, but about business data breach. But you can imagine that these type of things happens also, that there is cross-border data breach situation. That you have here an establishment in Spain, and there the breach takes place. But the headquarters is, for example, in the Netherlands. Where do you need to notify it? So there's the we have in the future the one-stop shop idea, but still there's also a lot of discussion on it. So if there are multiple data controllers, this new legislation can have an effect on the client. But also when they work with a data processor in another country, or when they work with a data processor in the Netherlands. So these are things that are not answered by the new law. There will be guidelines. They have just put them on consultation. We as a law firm, we have prepared our comments also, that they're only available in Dutch, also these guidelines. And that they did not take into account these multinational situation. But perhaps they might, based upon comments, change that. We have to see that before the 1st of January. Also, is the process, how does it work? There will be a web form available. That's not obligatory to use it, but it might be easy to have it. They will have a standard form, also available in Dutch only. Then there will be confirmation of receipt. The time scale in which you need to notify will be 2 working days, which is also a bit funny because if there is a weekend in between, then you have more time for it. As lawyers, is perfect, because and also for the client, because then they have more time to think over and to assess the situation. But normally damage can already occur there, so and it is not in line with the 72 hours which is in the regulation. And this is only temporary rules, because when once the regulation will be there, the Dutch Data Protection Act will also be finished, like all your local laws. So it's just a time in between. Then the notification to the data subjects can be done depending on the factual situation, so by email. But if you cannot reach the data subject, then you can put it in the newspaper. So these type of communication are possible. Next to that, you need to have a register of all your data breaches, so that you can learn from the past, so that you can learn what has happened and how can we make it better. And this register can be accessed by the DPA, so they can go into your company and see what kind of data breaches have occurred there in your company. Also here I have questions. If the DPA can go inside the system and you have there some personal notes or a correspondence with your lawyer, you have to put privileged on it, otherwise the DPA can also have access to this communication. And perhaps you may want to have a second register in which you have your own personal things, in which you make your decisions or whether or not to notify or whatever. So these things we need to advise our clients how to manage that. And there is a company called Privacy Perfect who arranged to have a software program which will help you to insert the data and to have and you can also use it later as to document the processing activities that you may have. And I understand they even have here in nearby Valencia also an office this company. And we as a law firm we will also look at it for our own data processing activities.
Then the next to the notification news, there will be more sanctions, more higher fines. Now the Dutch Data Protection Authority can only fine if you don't do the general notification duty, and it's only 4,500 euro. So nobody cares for that. But after the 1st of January, we will have fines of 810,000 euro, or 10% of the annual turnover of a company. So that might be more scary for the data controllers. And this is not only if you will not fulfill the notification duty for data breaches, but in general for all privacy obligations. So if you have not fulfilled your security obligations, or if you will not change your transfer agreements because of invalidation of the SRAM, the SRAM case, invalidation of safe harbor, then also you might have this fine. And they have a lot of investigation powers. They can go into your company. They can ask, make interviews. So they will have more powers after 1st of January. In order to be proactive for data breaches, we advise now the clients to come with a roadmap, and then you do the similar things in your country, and to make a distinction between the different stages of measures that you need to take, so preventive and once the incident occurred and afterwards. And also cyber insurance is an issue which is now very, people are interested in whether that will work or not. Can we also insure fines or not? How does it work? Also read an article on the combination with the SRAMS case that they are thinking, so that will perhaps also bring a lot of non-compliance when after the Article 29 working party comes with a solution and clients do not follow that solution. What will happen then with your insurance? Then that will that be covered or not? Then in the roadmap, so you need to have an incident team, and that this team is also aware of what's happening. So the contact data need to be made available to the employees. Also that they have that they are can be reached also when they are here in a conference in Valencia, but then still they need to be reached by the company if an incident occurred, and that they can take measures. Also check what data are in your company, perform privacy impact assessment, and so on. And then once the incident occurred, then time is then of the essence. In 24 hours you need to know whether to notify it, to inform the management, check also your media strategy so that the journalists that they come to your reception, that they know exactly what to tell you, that the employees will not send it on Twitter, or so that you keep it just inside the company. And then afterwards then take measures and assess what happened and perform audits and so on. So and try to avoid it for the next time. So what can you do as a company or advise your clients is to have this roadmap, to check what kind of data you have, the security measures that are in place, the data processing agreements, whether you fall on a rich notification duty, because they're also for specific sectors, for example for hospitals or for financial institutions, specific notification duties. And then it's all of course about the timing and being prepared and have budget for it. It's compliance work, you don't earn more money, but you make your customers perhaps more satisfied because you're taking better care of their data. So that would be the idea. And otherwise you call your lawyer. Huh? Yeah.
Alors bonjour à tous. Pour le slide, on va se contenter de ça. Ça mieux, mais vous n'aurez pas de malheureusement de support d'image. On va simplement écouter. Désolé pour cet inconvénient. Alors on traite de l'Internet des objets, du big data et de la robotique. C'est le sujet qu'on aborde maintenant. On peut commencer tout simplement par dire certaines évidences, à savoir que le lien qui peut exister entre les objets connectés et le big data semble quand même assez évident. Et vis-à-vis de la robotique, il l'est tout autant, mais il prend des formes encore assez incertaines, et c'est ce sur quoi on va essayer de travailler. Il y avait un premier biais, en réalité, en abordant le sujet, c'est-à-dire avec un sujet en trois temps, avec trois grands termes, c'est la focale qu'on décide de prendre. Et ce biais-là, par la spécialisation qui n'existe pas vraiment à proprement parler, mais que j'essaye d'avoir sur la robotique, le premier biais, c'est la focale, je la mets plutôt sur la robotique. Et lorsqu'on parle de robot, directement, il y a une première difficulté qui naît, c'est que le robot est, pour l'instant, en tout cas, protéiforme. C'est-à-dire qu'il peut prendre des formes très différentes, et on ne sait pas encore exactement à quelle réalité technique il renvoie, et ça nécessite de faire certaines distinctions. On peut voir deux grands mondes robotiques qui s'affrontent pour l'instant, en tout cas qui sont en train d'émerger, de se confronter. La robotique la plus primaire et la robotique qu'on pourrait dire évoluée. La robotique primaire, c'est celle de la détermination, alors que la robotique évoluée, c'est celle plutôt de l'indétermination pour le coup. C'est stimulus contre détermination. Il y a un comportement qui est déterminé selon un axe prédéfini, d'une part. De l'autre part, c'est le robot qui a cette once de liberté, liberté qui elle-même vient fonder ce qu'on pourrait appeler une personnalité nouvelle, juridique, qui serait propre au robot. Et entre ces deux mondes, au confluent de ces deux mondes, il y a un troisième monde robotique, on pourrait dire, qui émerge dès maintenant, celui de l'autonomie. Et il y a des exemples déjà. C'est assez intéressant. On peut prendre des illustrations. Dans la robotique la plus primaire, ça serait l'aspirateur qui fonctionne tout seul. Pas une technologie incroyable, mais ça fait partie du monde robotique si on ne le définit pas bien. Dans la robotique la plus évoluée, je ne sais pas si vous avez vu le film, Ex Machina, mais le robot est tellement intelligent qu'on en vient même à redéfinir le test de Turing. Si on prend un petit rappel, le test de Turing, c'est il est passé, nous dit Alan Turing, lorsque l'interlocuteur humain qui dialogue avec le robot n'est pas capable, au bout d'un certain temps donné, de savoir si il discute avec un robot ou il discute pas avec un robot. Le tout étant précisé que, évidemment, ça se fait dans des salles, disons, séparées ou au moins à distance, sinon on est mal barré. Et donc le robot de Ex Machina est tellement intelligent qu'on redéfinit le test de Turing. Et c'est pas de savoir si on discute avec un robot, on le sait, on nous l'a dit. Mais c'est que bien que l'on sache que l'on discute avec un robot, est-ce qu'on sent chez lui une forme de conscience? Est-ce qu'on sent une humanité, quelque chose qui naît de ce robot alors même qu'on sait que c'est un robot? Donc c'est assez, ça serait la forme la plus évoluée et comme l'exemple montre, relève pour l'instant de la science-fiction. Entre les deux, c'est l'autonomie et les exemples existent en revanche. C'est la voiture autonome, clairement. C'est les robots médicaux Da Vinci qui opèrent en partie seuls. C'est aussi dans sa forme dématérialisée complète, bientôt, ou même c'est quasiment déjà le cas, c'est l'avatar d'IBM, Watson, qui est capable, comme l'a rappelé Sébastien, de diagnostiquer en matière de cancer de la langue mieux que les plus grands professeurs, quand même pas rien. Il bat tout le monde au jeu Jeopardy. Et il y en a même l'Université de Toronto qui l'utilise en droit. C'est-à-dire encore une nouvelle évolution forcée, probablement, de la profession qui est la nôtre. Et donc, en fait, cette indétermination du robot, et après on va rentrer dans le vif du sujet, cette indétermination du robot, elle impacte nécessairement sur ce qu'on peut appeler, ce que nous, on aime appeler, le droit émergent des robots. Aux côtés de cette première indétermination, il y en a deux autres. Il y a donc le fait que l'objet robot soit protéiforme, premièrement. Il y a le fait que la norme, le corpus normatif qu'on veut essayer de créer autour du robot, sa finalité n'est pas encore clairement établie. Elle peut être soit purement procédée d'une régulation purement technique et économique, soit procédée au contraire
d'une volonté de régulation plus sociétale. Et là, on imagine très bien un robot qui aurait des interactions plus ou moins importantes avec l'humain. Et si ces interactions devaient s'intensifier, à un moment, il pourrait être intéressant d'avoir des normes quasiment de comportement de l'humain vers le robot et du robot vers l'humain. Et donc, en fait, ces trois grands flous de cette matière-là s'inscrivent, selon, à mon sens, uniquement deux axes de cohérence. On prend ce qui est le plus puissant d'un côté et ce qui est le plus faible de l'autre. Ce qui fait qu'en fait, on prend la robotique primaire, on l'associe avec une régulation technique et économique, et on lui met, c'est en fait l'autre indétermination dont je n'ai pas parlé, c'est le référentiel culturel dans lequel on se situe. En Occident, les objets sont des objets. En Asie, c'est vu très différemment. On considère, par exemple, dans certaines religions au Japon, qu'il y a dans les objets, dans la nature, des objets qui peuvent être le réceptacle d'âme et donc vivre quasiment à part entière et vis-à-vis desquels un respect est dû. Et donc si on reprend les deux grands axes de cohérence, la robotique primaire associée avec une régulation technique et économique et une culture plus occidentale où les objets restent à leur place. Et puis de l'autre côté, si on prend l'axe le plus puissant, ça reviendrait plutôt à dire que la robotique intelligente a vocation à permettre l'émergence d'un cadre juridique, normatif, sociétal, et il ne s'exprimera pleinement que dans le cadre d'un référentiel culturel animiste. Il y a un exemple très, très, très frappant, alors même que c'est pourtant de la robotique assez primaire, c'était le petit robot Sony, le chien, qui avait été adopté dans des familles japonaises, à tel point qu'à partir d'un moment, Sony a arrêté de le réparer, et donc le robot était plus réparable, il s'est quand même cassé, forcément. Et il y a des cérémonies shintoïstes qui ont été organisées où on a prié pour l'âme du robot chien. Ça peut faire sourire, mais les implications de la robotique sont à vitesse variable sur la planète. Et il faut faire très attention à ce qui se passe en Asie, ils vont avoir un coup d'avance sur nous. Si maintenant on s'intéresse à la robotique et aux objets connectés, en fait on peut voir que le lien est très fort et en réalité le robot va être, du point de vue des objets connectés, au moins deux grandes choses. Il va être premièrement un concentrateur. En fait il va être un double concentrateur, mais à deux niveaux différents. Il va d'abord être un concentrateur de ce qui existe, tout ce qu'on peut faire en matière d'objets connectés. Le robot personnel, celui qui va vivre chez nous, un nouveau membre du foyer, va pouvoir concentrer tout ce que les autres objets connectés de la maison, par exemple, nous disent déjà. La température ambiante, l'humidité, s'il manque du lait dans le frigo, etc. Il va pouvoir, à ce moment-là, être au cœur de tous ces éléments-là. Et puis, il va être un autre concentrateur, c'est celui de l'intimité des personnes. En fait, on change quasiment, on change même plus d'intensité, mais on change de nature. C'était des données qui pouvaient être relatives à des faits objectifs qui sont pas forcément très vitaux, et on va se rapprocher de plus en plus de données qui vont être sensibles. Et ce chemin-là qui est fait entre des données objectivées sur les objets justement vers des données qui seront beaucoup plus personnelles, en fait on se rend compte, c'est assez marrant, que il y a une symétrie qui se fait avec l'évolution du robot lui-même. C'est d'abord un objet, et puis on se rend compte qu'il est autonome, et puis maintenant, très en amont, on essaye de réfléchir au fait que peut-être il aura par certains côtés une humanité. Et donc la nature des données connectées, en tout cas, ce qu'elle révèle de l'implication du robot vis-à-vis de nous, elle suit un chemin symétrique avec l'évolution du robot lui-même. Et à tel point que quand on réfléchit sur le robot et son identification à l'homme, il y a, encore une fois, en Asie, parce qu'ils réfléchissent à ces questions depuis plus longtemps que nous, un phénomène assez étrange, pour le coup, qui a été mis en lumière par un spécialiste de la robotique au Japon, dont le nom m'échappe, mais qui parlait de la vallée de l'étrange. C'est ce moment où, lorsque le robot à forme humanoïde est tellement bien fait,
et parfois une ressemblance humaine quasi parfaite, on n'arrive plus véritablement à dissocier l'homme du robot, et, alors qu'on sait que c'est un robot, et donc ça donne une espèce de profondeur et une abysse. En tout cas, on se sent mal à l'aise, raison pour laquelle Nao pourrait ressembler beaucoup plus à un humain que cela. On est capable de faire beaucoup mieux dans l'expression faciale. Il suffit de voir l'exemple, par exemple, de Hans Robotique, où le système d'expression faciale est assez extraordinaire. Il a été fait expressément comme ça, comme le disait un peu Sébastien, quasiment sous la forme d'un jouet, mais c'est fait exprès, en fait. C'est pas une limite technologique, c'est un choix délibéré vis-à-vis de justement ce qui a été décrit précédemment sur la vallée de l'étrange, qui crée chez l'utilisateur un espèce de rejet, un recul. Ensuite, si on passe du traitement en big data, donc on peut aller assez vite, on saura que dans les voitures vont être de plus en plus connectées, on en saura beaucoup plus sur nous, ça va jouer sur les assurances. C'est des questions qui ont déjà été pas mal abordées. Sur les données personnelles, on peut voir, en prolongement de ce qu'on a déjà dit, au moins deux formes de protection, deux objets de protection qui émergent et qui vont émerger. La première, et c'est assez évident à nouveau, c'est la protection de l'utilisateur. C'est l'exemple, pour que si on rentre tout de suite dans un exemple, c'est l'exemple de la Barbie. Fille, elle joue avec sa Barbie, et en fait, sa Barbie, elle est bourrée de technologie. Et elle enregistre, par exemple, les éléments de langage, de conversation, quasiment, que cette petite fille a avec son jouet. Et l'ensemble de ce qui peut être capté va dans un centre à l'étranger, aux États-Unis, dans ce cas-là, et est traité. Et mais dans quel but ? C'est évident, c'est un but commercial. On va pouvoir identifier des goûts, on va pouvoir identifier quasiment à certains moments un état d'esprit. C'est vrai par exemple pour le robot, le grand frère de Nao, le robot Pepper, capable d'identifier un état d'esprit, une émotion. Et là, on n'est plus vraiment capable de savoir à quel moment on s'arrête, on rentre chez soi, le robot en fait il a son emploi du temps, il sait que le lendemain on a une plaidoirie ou une intervention à l'IA, on est un peu stressé, il nous met notre musique préférée pour nous calmer, en même temps il nous achète pour le lendemain notre plat préféré. Enfin, c'est un monde qu'à mon avis dont les implications sont encore assez floues jusqu'à présent, mais potentiellement extraordinaires. Et ce système d'affect avec le robot qui peut naître les émotions qu'il peut capter et sa capacité à se positionner par rapport à ces émotions-là, cet affect-là, on le retrouve, on l'avait anticipé en fait dès les années 50, parce que si on relit les nouvelles d'Asimov et on lit le cycle des robots, on lit la première d'entre elles, c'est l'histoire d'une petite fille qui se prend d'affection pour son robot, qui parle même pas, et résultat, elle a une espèce de d'intimité qui se crée entre eux jusqu'à ce que le robot sauve la petite fille. Et ça, ce sera mon dernier point. Le premier objet de protection, l'utilisateur, et puis le second objet de protection, potentiellement à l'avenir, celle du robot lui-même. Et à quel point lui-même va pouvoir avoir quasiment ses propres données à protéger, mais c'est une autre histoire. Merci. For coming back, I will keep it short and promise it as the price for you to come back. I will keep it maximum 10 minutes. I will be talking for the following 10 minutes about the new teaching about the health and biometrical data in the regulation. The first thing that we should know, or we can talk about, is that finally we have a definition about health data. Or data relating to health conditions, and from my point of view, it's when I went to school, there was something that everybody told me that when you define something, you shouldn't put into the definition the same word, and they did it twice here. The definition about health data is any data or information related to past, current,
future physical or mental health of an individual which reveals information about, again, his health or his status. This is a really big, broad definition about health information, but it gives us also other clues, like any registration or the number that the health services use in order to identify the people in the health services are also health data, such as symbols or numbers. They can be also health data. Of course, generating data and biological samples and any disease, disability, disease risk, medical history, clinical treatment, physiological or biometrical skills. I think this is one of the, as I said, one of the first things to keep in mind is that we finally have this definition, but not only this, but we also have a definition of biometric data, which is, under my point of view, much more important, because biometrical data is information that can really give you data about the future of the person. So sometimes having this kind of information, you are able to predict what's going to happen to this person. So I think it makes it much more dangerous, even much dangerous than health data. It is unique information, the DNA or information like this. It just can match someone. So it's, as I said, it's more risky or more dangerous than the health data itself. It also provides information about a group or a family, so it's not just the data subject involved whose data are being processed, but also the people from their family or the people that they are related somehow. So that's another point that, under my point of view, makes it more dangerous or more difficult to understand. It is unmodifiable, so you cannot change this data. When it's like this, it's always like this. And it can also be obtained without the knowledge of the data subject, sometimes while you are using some kind of device, or even the mobile phone. This kind of data can be processed even without your knowledge, which make it, of course, more difficult, because for having a legal basis to process this data, you need information and consent sometimes. So if you are not even aware that this data is being processed, this makes it, of course, more difficult. It means, or it has to do, of course, about sensitive data. And finally, last but not least, it has a lot of high risk of discrimination with this data. They can use it for insurance and employment purposes, even, as I said before, without the data subject knowing. So this is the point that we have under the last version of the regulation. I have to say I have studied the last one from the council, and there are several differences, but we'll see how it ends up. But I think this is pretty, I think it's going to be like this by the end of the year when we finally have a regulation. So which are the basis in order to process health information? First of all, we have to say that in the directive from 1995 and in the regulation, is it expressly prohibited to process this data? This is the general rule, but of course there are some derogations. They go on. Some of the regulation or the derogations that are in the regulation are also in the directive. Explicit consent is a possibility to process this kind of data. I just go through the main points, like vital interest of the data subject. Sometimes is it impossible, of course, for the data subject to be informed of, or to give his or her consent in order to process this data if you're going to an hospital and you are basically dying. It's kind of hard to get your consent. Of course, for public interest, with the regulation said, with suitable and specific measures to protect data subject rights. It has to be said that this derogation, it cannot be taken as an excuse for employers, insurance, or banking companies in order to process this data, which means that they had to rely in some other basis, such as consent, or in order to fulfill a contract.
Of course, the processing of health data by a health professional, which is under professional secrecy, that's another derogation. And there's another thing here, which is new, if you compare with the directive, it's when this data is being processed in order to treat serious cross-border threats, which means like disease, things like that. We have seen this in the past with the Ebola, there has been a lot of information going on and forth. And of course, when the data is being made public by the data subject itself, this is another derogation. So, in case we are processing this kind of health data, health information, or biometrical information, we'll have to find our legal basis in one of these options. Otherwise, of course, it's going to be unlawful. So, which are the rights of the data subjects? We have the right to access this data, which means diagnosis, examination results, assessments by treating physicians and any treatment or interventions provided. So basically, all the records that has to do with health information can be accessed by the data subject. Of course, there is also the right to erasure or the right to be forgotten in the manner that the ECJ or the regulation itself has been stated. Of course, the data, health data, cannot be longer processed when the, it says specifically, when no longer necessary for the purposes that make collect this data. It has a derogation also here, further retention, farther from these purposes, can be lawful for reasons of public interest, and in the area of public health. We come back here to the public interest derogation, which from my point of view is much, it's too border, no, to see when it's public interest and when not. And another right that which could say is that profiling, it is prohibited to profile people regarding her or his health information without their knowledge and of course without their consent. New obligations. So we've been talking about these new obligations in this session. Of course, any kind of system or any kind of program or application or whatsoever that processes this kind of data has to be, privacy has to be embedded in the design. So this is something that the companies should have to be aware of before building up any kind of system. And we were talking before about data protection impact assessment. It has been talked already before. Especially there's a moment or there's a situation where this impact assessment has to be done, which is where when processing sensitive, so health or especially health information or biometric data, where data is being processed to taking decisions on a larger scale. So we have another problem here, that in the regulation there's no definition about what larger scale is. So when do we have to go on with this privacy impact assessment? So under these circumstances, I don't know whether an hospital, it means larger scale processing, whether a school, for instance, where they have also health information. So we are here in the point where we really don't know how to act. And there's a last point that I would like to stress, that it's not mandatory if processing is protected by professional secrecy, such as doctors and lawyers and so on. It says that this privacy impact assessment, I repeat, is not mandatory if processing is protected by professional secrecy by an individual healthcare professional, hospital, or attorney. It has to, I think, under my point of view here, we have also a problem because these professionals, they have to comply, of course, with the privacy by design because there's no derogations on that. And being privacy impact assessment, one of the main points of privacy by design, I don't know whether this makes them also comply with the privacy by design or not. Under my point of view, they have to do it as well, but this derogation or exception, it puts them in a strange position. I don't know why they
they are not obliged, or it's not mandatory to, for them to do this privacy impact assessment, when sometimes the hospitals, for instance, as I said, they do really large scale processing. So I think it should be mandatory, but it's not under the regulation. So I kept it short, 10 minutes, I think. I think Mark has smiling here. If there's any question or whatsoever, I'll be happy to share with you. Thank you. Ma présentation va être en français et mes slides sont en anglais. Et ma présentation est en lien avec celle de Fanny tout à l'heure et également celle qu'a pu faire Marc au début de la session et également celle d'Alain, puisque je vais revenir sur le projet de règlement européen et en particulier sur le renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle nationales, ce qui va mettre en fait en exergue que les organismes publics et les entreprises privées européens vont, dans les 2 ans à venir et les années qui vont suivre l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur la protection des données, vont être, si ce n'est sensibiliser à la culture informatique et liberté, vont devoir mettre en application les dispositions du projet de règlement, puisqu'on va voir que les autorités de contrôle ont des pouvoirs renforcés, et notamment en matière de sanctions, et notamment pécuniaires, ce qui les incitera à se mettre en conformité. Et pour nous, donc, avocats, la nécessité d'accompagner nos clients, organismes publics et entreprises privées dans cette démarche de régularisation. Alors, je vais passer un petit peu vite sur l'introduction, puisque c'est ce que Marc a présenté ce matin, c'est-à-dire un projet de règlement sur la protection des données qui devrait entrer en vigueur en 2016 et qui renforce donc les pouvoirs des autorités de contrôle national. Donc à l'heure actuelle, le référentiel légal, c'est donc la directive 95 qui a été transposée dans les États membres de l'Union européenne, mais s'agissant d'une directive, chaque État a pu, lors des débats nationaux sur sa transposition, adapter les dispositions de la directive en fonction de sa propre culture et de ses lois existantes. Ainsi, le socle commun des pouvoirs des autorités de contrôle nationales, tels que la CNIL en France, sont au nombre de 4. Elles ont tout d'abord donc un pouvoir de contrôle sur la mise en œuvre des traitements dans les organismes publics et les entreprises privées. Elles ont également ce qu'on pourrait appeler un pouvoir d'intervention, puisqu'elles peuvent enjoindre à un responsable de traitement de cesser la mise en œuvre d'un traitement, par exemple, si l'autorité estime que celui-ci n'est pas mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi nationale, elle-même transposant la directive de 95. Elle peut aller jusqu'à prononcer effectivement ces fameuses sanctions administratives comme un avertissement. Et puis, s'agissant des sanctions pécuniaires,
En fait, le législateur européen a laissé les États membres la possibilité pour les autorités de contrôle nationales de prononcer ou non des sanctions pécuniaires à l'encontre des responsables de traitement qui ne respecteraient pas les dispositions de la directive 95 telle que transposée dans leur droit national. Et c'est ainsi qu'en France, et ce n'est pas le cas dans tous les pays de l'Union européenne, que notre autorité de contrôle dispose d'un pouvoir à la fois de sanctions administratives comme les autres autorités de contrôle, c'est-à-dire avertissement, injonction d'effacement de données, interdiction d'un traitement, mais elle bénéficie aussi de la possibilité de dénoncer auprès du procureur de la République des manquements à la loi informatique et liberté commis par un responsable de traitement français, et elle dispose aussi de la possibilité de lui infliger directement des sanctions pécuniaires. Chez nous, les montants restent relativement faibles puisque la sanction pécuniaire peut aller jusqu'à 150 000 euros et la sanction aujourd'hui, en tout cas publique, la plus élevée a été infligée à Google pour ses Google Car et était de l'ordre de 100 000 euros, ce qui finalement pour Google n'est pas dissuasif. Et on va voir que le projet de règlement européen est venu en fait harmoniser et renforcer les pouvoirs de contrôle des autorités nationales. Tout d'abord, un contrôle a posteriori, et là je rebondirai sur ce que vous a présenté tout à l'heure Fanny, notamment sur l'étude d'impact, puisque aujourd'hui il est prévu que les autorités de contrôle nationales, une fois que le projet de règlement européen sur la protection des données sera entré en vigueur, que celle-ci soit consultée pour autorisation que si l'analyse d'impact établie par le responsable de traitement révèle un risque particulier, si le traitement en cause figure sur une liste établie par l'autorité de contrôle ou en cas de transfert hors de l'Union européenne, dans les cas où les garanties usuelles n'auraient pas été mises en œuvre. Par exemple, si les clauses types de la Commission européenne n'ont pas été respectées ou que des binding corporate rules n'auraient pas été signées entre les filiales d'un même groupe multinational. Les autorités de contrôle nationales disposeront également d'un rôle d'information et de conseil. Et puis, au niveau du contrôle a posteriori, et c'est celui-ci que doivent craindre les organismes publics et entreprises privées qui n'auraient pas encore fait la démarche d'une régularisation informatique et liberté, puisque on voit que les autorités de contrôle pourront donc évidemment toujours faire des contrôles sur place et sur pièce au sein des locaux des organismes publics et des entreprises privées qui ne respecteraient pas la loi informatique et liberté. Elles pourraient toujours prononcer un avertissement qui pourrait être rendu public et donc avec une atteinte à l'image importante pour la société prise en défaut. Et également des sanctions pécuniaires qui peuvent aller pour les infractions les moins graves jusqu'à 250 000 euros ou 0,5% du chiffre d'affaires mondial, et pour les infractions les plus graves, jusqu'à 1 million d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Et dans le projet de règlement européen, il est bien précisé que les sanctions qui pourraient être prononcées par les autorités de contrôle devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Et ici, c'est le terme dissuasif qu'il faut que nos clients comprennent qu'il est absolument nécessaire, pas que pour une question de réputation, mais également pour une raison financière, que les sanctions qui pourraient être bientôt prononcées seront suffisamment dissuasives pour que l'entreprise prise en défaut régularise sa situation et que toutes les autres fassent les démarches préalables pour ne pas se retrouver en cas de contrôle, devoir être sanctionné par l'autorité de contrôle. Alors en Espagne, c'est vrai que votre autorité de contrôle est déjà assez
ferme, puisqu'elle peut aujourd'hui prononcer des sanctions jusqu'à 1 million d'euros. Mais pour la France, je vous l'indiquais, pour l'instant, chez nous, c'est seulement jusqu'à 150 000 euros. Et donc, l'augmentation du montant des amendes qui pourraient être prononcées va nécessairement amener nos clients à rentrer encore plus sérieusement dans une démarche de mise en conformité avec les obligations informatiques et libertés issues du règlement européen. Alors, dans le projet de règlement européen, s'agissant aussi du renforcement du pouvoir des autorités de contrôle, il y a deux dispositions qui sont encore controversées. C'est celle du guichet unique, et puis on verra ensuite, c'est celle de la mise en cohérence des décisions rendues par les autorités de contrôle. Alors, la difficulté que l'on a, c'est que pour faciliter finalement la mise en conformité des entreprises européennes, notamment des multinationales, à la loi informatique et liberté, dans le projet de règlement, il est prévu que, donc dans un souci de commodité, une seule autorité de contrôle sera compétente, qui sera celle du lieu d'établissement principal de la multinationale, qui pourtant a des filiales dans chacun des États de l'Union. Donc on voit bien la difficulté ici, et on peut faire un lien avec la décision qui vous a été présentée tout à l'heure par Sébastien et Marc concernant l'invalidité du safe harbor, du fait de l'absence de recours effectif pour le citoyen européen qui veut faire valoir ses droits informatiques et libertés auprès des plateformes américaines. Au cas d'espèce, il s'agissait de Facebook Inc. On voit bien que si on a une seule autorité de contrôle compétente pour l'ensemble des traitements mis en œuvre par une multinationale, et que cette autorité de contrôle sera celle du lieu du principal établissement du groupe, vraisemblablement son siège social, et pour le citoyen européen, par exemple, finalement, il n'irait pas dans son propre pays pour faire valoir ses droits informatiques et libertés, et il devrait interroger ou actionner l'autorité de contrôle du lieu de l'établissement principal de l'entreprise, et ça pourrait être tout à fait, finalement, l'Irlande pour un citoyen français, espagnol, qui déciderait de faire valoir ses droits auprès de ces fameuses plateformes américaines dont, finalement, les sièges principaux en France, en Europe, se situent en Irlande. Donc, on voit bien que le souci d'aider les multinationales à se conformer à la loi informatique et liberté pourrait priver le citoyen européen, finalement, de ce fameux recours effectif, puisqu'il n'aurait plus la possibilité de s'adresser à l'autorité de contrôle de son propre pays, alors même qu'un des moyens du traitement aurait été mis en œuvre dans son état d'appartenance. La deuxième disposition qui a fait débat, mais aujourd'hui elle le fait moins depuis que le Parlement européen a fait passer un amendement, c'était la mise en cohérence des décisions de justice, enfin des décisions, voilà, je vais carrément dire de justice, mais on en est un petit peu là, la mise en cohérence des décisions des autorités de contrôle. Il s'avère qu'il y a une grande disparité aujourd'hui sur finalement la doctrine des autorités de contrôle. On a la France, l'Espagne qui sont considérées comme strictes, et on a l'Angleterre par exemple qui est considérée plutôt laxiste. Et pour pouvoir avoir des décisions et finalement une prévisibilité des décisions qui vont être rendues par les autorités de contrôle, plus sur la base de lois nationales venant d'une directive, mais finalement d'un règlement européen qui sera mis en œuvre de manière identique dans tous les États membres, il a été décidé que lorsque la décision pourrait avoir un impact au niveau européen, que l'autorité de contrôle nationale, avant de la rendre, soumette sa décision pour avis consultatif à ce qu'on a appelé le comité européen. Le comité européen qui est en fait le successeur
du groupe de l'article 29. Il était également prévu, mais ça a été supprimé, c'est une bonne chose, que la Commission européenne donne également son avis consultatif sur les décisions des autorités de contrôle national. Mais là, on voit bien qu'il y aurait eu un problème puisqu'elles sont censées être des autorités administratives indépendantes et elles se seraient finalement retrouvées soumises à la décision de la Commission européenne. Et donc, cette disposition du règlement européen a finalement été supprimée par les autorités de contrôle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si les autorités de contrôle n'ont pas de pouvoir à la fois dans les textes et de moyens financiers, finalement le droit à la protection des données personnelles ne sera jamais effectif. Et donc il est nécessaire effectivement que le projet de règlement vienne renforcer les autorités nationales à la fois dans leur contrôle a priori et dans leur contrôle a posteriori pour que finalement le droit fondamental à la protection des données personnelles puisse être effectif dans l'Union européenne. Merci. Okay, so I will talk about the General Data Protection Regulation. What else? And I will focus on the first part of the regulation, also from point of view from the articles, the numbers of the articles, and the question of applicable law and territorial scope of the regulation. First of all, let's look at the outline of my little intervention. I want to highlight some information on territorial scope, establishment in the European Union, and if a controller is not established in the Union. And then I want to talk about the issue of remaining national data protection laws after the European General Data Protection Regulation is enforced. And another interesting question is if features of data protection law is currently possible or will in the future be possible. Okay, let's start right away with the Article 3.1 of the regulation. And we're talking about the situation where a controller or perhaps also a processor is established in the European Union. This is one situation where the regulation applies, and this is in fact not really new, because already now in the directive in Article 4.1a it's a very similar provision, besides that here in the regulation also the processor shall be covered. And the corresponding recital 19 says somehow as a clarification that the regulation applies regardless of whether the processing itself, the technical process of processing data, takes place within the Union or not. So the question sometimes arises, okay, isn't the law applicable where the server physically is located? And that's not the case. That's already now not the case. Many people think that is the case, but that's not the case. And that under the future regulation, at least the Parliament proposes to put this in a recital to say, okay, people, it's not where the server is located, it's where the controller is located, the establishment or the processor, perhaps. And I also hinted to a very relevant decision by the European Court of Justice, which was issued, I think, first on October, and didn't receive any attention at all since 1 week after the SRAM decision was delivered. But this decision, Weltimmo, concerns
the application of European data protection law in a situation where you are controller established in one EU member state, this was Slovakia, I think, and you are offering services via website to another European member state, in this case Hungary, I think. And then the question arose, okay, which data protection law applies internally in the European Union? And I will refer to this decision afterwards, but if somebody of you is interested in the question of the application of data protection law, I recommend to read this decision by the European Court of Justice. So, furthermore, let's look at the requirements when the regulation will apply. First requirement, we know this requirement from the actual directive, is that the processing has to be conducted in the context of the activities. What does the European Court of Justice say in its famous Google decision, but also in the Welt-Immer decision? It says that this description or these words cannot be interpreted restrictively, and the court says that it's not relevant if that the data processing operations are conducted by that establishment. It will suffice if the data processing activities are conducted in the context, which is kind of broad, of the activities. And since, as I said, this provision, Article 3.1 of the regulation, will not see many changes to the current directive, from my point of view, we can take the decision from the ECJ to interpret the new regulation. I posted some examples here. For example, in the Valdemo case, the ECJ said that in the context of the activities means if you use data for the purpose of invoicing in another state, European member state. And as you might know, in the Google decision, the court said the intention to promote and sell advertising space offered by the controller from the Spanish establishment. So this is one of the requirements of Article 3.1. Another one is the notion of establishment, and especially for the interpretation of the word establishment, you should read the Welt-Immer decision of the ECJ. But first, let's see what the regulation says. In Recital 19, it says, what does establishment mean? Establishment means an effective and real exercise of activity through stable arrangement, and that the legal form is not the determining factor. This is also nothing new to the current status, because Recital 19 is somehow copy-pasted from the current directive, from Recital 19. What we now know is how the ECJ interprets this notion of establishment. In the Welt-Immer case, the court said that it's a flexible definition of a concept of establishment, which departs from a formalistic approach, and the degree of stability and effective exercise of activities must be interpreted in the light of specific nature of the economic activities. And in the Welt-Immer case, the court also explicitly referred to economic activities like online websites and, for example, an online shop, or if you're conducting online business. What the court also said with regard to the notion of establishment, that in the Welt-Immer case, there was only one person, one man, who was the representative of the company in Hungary. And I think they also had a bank account, but not really a house or a flat or anything. But the court said that's enough to render Hungarian data protection law applicable, or that might be enough in that case. The national court now has to assess this case, but the ECJ said that might be enough. And just to quote here, perhaps, the ECJ said that the presence of only one representative can, in some circumstances, suffice to constitute a stable arrangement. If that representative acts with a sufficient degree of
stability through the presence of the necessary equipment for provision of specific services. And the concept of establishment, according to the ECJ, extends to any real and effective activity, even the left minimal one. So the court also somehow summarized examples or requirements for the notion of establishment in that specific case, when you could say, well, that's an establishment. And for the court, the determining factors were that Weltimmo, this company, its activities consisted of running one of several property dealing websites concerning properties situated in that other member state. And second, the website was written in Hungarian, so somehow dedicated to Hungarian people. And the advertisements were subject to a fee, so somehow economic activity. The representative was in Hungary. And the company opened a bank account and also used a letterbox in the member state. And all these factors, according to they were enough to say, okay, in that case, we might see, or there might be an establishment. So in the future, from my point of view, we can take the interpretation from the ECJ also for the regulation, for Article 3.1 of the regulation. Let's look at the other situation. If we are going out of the European Economic Area, if we have a controller or processor situated or established in a third country, there we will see major changes to the current directive. The respective article is Article 3, Paragraph 1. And according to this article, the regulation will apply to the processing of personal data. And then now I have to somehow separate between the different versions of the regulation, Commission, European Parliament, and Council, and I also noted it here in the text, to the processing of personal data of data subjects residing, this is what the Commission and the Council want to put in the regulation, in the Union by a controller or processor. The European Parliament wants to extend Article 3.2 also to the processor, not established in the Union, where the processing activities are related to, and these are the two options, the offering of goods or services, irrespective of whether payment by of the data subject is required. These are European Parliament and Council proposals to such, such data subjects in the Union. And little B, the proposal, the monitoring of their behavior. European Parliament wants to put in of such data subjects. And the Council proposal is the monitoring of their behavior as far as their behavior takes place within the European Union. Yeah. So, quite a mess. Let's see, perhaps we can order this at least to a certain degree. First of all, concerning Article 3, Paragraph 2, lit B, this, the regulation applies if the processor, or let's say the processor or the controller, is not established in the Union and the processing activities are related to the monitoring of the behavior of data subjects. And the problem, from my point of view, here is that the regulation might apply in cases where the data subject, for example, European citizen, isn't currently located physically in the European Union, but in a third country. Because if you read the text, it says only that the regulation applies to the processing of personal data of data subjects residing. I can reside in a union while I'm still traveling because I'm a resident of the European Union, but I can travel to other states, also to third countries, by a controller or processor, not established in the Union, okay, where the processing activities are related to the monitoring of their behavior. Yeah. If I'm traveling to the US,
For example, a controller from the US can monitor my behavior in the US, but then European data protection law will apply. So, I just want to highlight perhaps that this articles and the reasoning behind them is not, there's no clear line. And there are examples where you can somehow circumvent the whole principle of let's say broadening the scope of European data protection law, but not extending it to the whole world and enforcing the whole world obeying to European data protection law. So so this is somehow weird, and as you see there are different proposals, and we have to look at the final wording of the regulation, what the result will be. Just to give you an insight on the recitals, in recital 20, this is the reasoning behind article 3.2, is to ensure that individuals are not deprived of their protection. This is also the reasoning that the European Court of Justice always is repeating in its decisions, in the Google decision, in the Weltimmer decision. He always said, well, it cannot be interpreted restrictively, we have to ensure that individuals are not deprived of their protection, etc., etc. The processing activities have to be related to the offering of goods or services. This means, of course, that there, from my point of view, could be processing activities that are not related to the offering of goods or services, and then these data processing activities will not be subject to European data protection law. I couldn't think of 10 examples. It's somehow a weird situation, but perhaps if you think of employment data, if you have like a US company processing data of their employment who are perhaps traveling in the European Union or also have a flat perhaps in the European Union, but there's no establishment. I mean, if they have an establishment, then European data protection law will apply. But if you have, I don't know, this was the first example which came to mind, thinking 1 minute, perhaps there are other examples, but this is just one thing which struck me, that the processing activities have to be related to the offering of goods or services. Now everyone asks, okay, what does it mean, offering of goods or services? The European Parliament says, well, it means envisaging the offering of services. Thank you for that clarification. At least the councils, I think, somehow want to clear the situation. I don't know if it's, the result is really good, but the council says that envisaging doing business with the data subjects. But the council somehow also clarifies at these situations when the offering of goods or services will not render data protection law applicable. And in the council text, it says the mere accessibility of the controllers or an intermediary's website, email address, contact details will not suffice. And the use of a language generally used in a third country where the controller is established will also not suffice. So perhaps it would then be sufficient to use a language which is used in that European member state. Spanish, you might have a problem with English, because that's also a language which is used in the European, in the US. But just to give you an insight, when at least the council thinks that offering of goods or services and envisaging doing business, this requirement shall not be fulfilled. I also thought of some examples when in the future regulation might, to cut a long story short, in the future, if you're not sure, the regulation will apply to client business. Start a dispute and perhaps be in front of court, I think the court always will interpret, according to the European Court of Justice, the notions and the regulation in a broad way, and protection, data protection rights, etc. So if you don't want to dive into the details, just assume it will apply. Yeah, it's that easy.
And these are some examples: website directed to European member states, online shops, CRM systems, cloud software solutions, tracking of users via pixels, cookies, and also Internet of Things. For example, if NIO would be connected to the cloud and would be distributed by a US company, and the US company would have access to storage, then also European data protection law would apply. So, very short, briefly, the last topics for me. Applicable law, what about the remaining national laws? Well, of course it's correct that when the regulation will get into force, it will, of all the national laws implementing the current directive, will be invalid, because the regulation is binding directly, and also with the regulation, in the regulation itself, it says that Data Protection Directive 95 is invalid or will be repealed or something like this. And in the regulation it says that there are many opening clauses in the regulation, especially for the public sector, but also for the private sector. And Article 2, paragraph 2A states that member states may maintain or introduce more specific provisions to adapt the application of the rules of this regulation. So this means that we will also see national laws. There will not be only that one regulation and that one national data protection law in Europe. We will see national data protection laws. And then the question, of course, will arise, when will these national data protection laws apply? Will they, because the regulation doesn't help here, because the regulation says, well, I am the regulation, the European regulation, and I'm not applicable. But the regulation does not say, okay, in this case, the national data protection law of Germany applies, national data protection law, of UK applies, etc. So this might be a problem. And you cannot say, yeah, well, we just take Article 4 of the directive, because the directive is gone. And also the implementing national laws basing on a directive, they're gone. So this will be interesting to see. And just another point that struck me regarding the question of national laws is that every one of you knows the cookie law, the e-privacy directive, which is implemented in all member states in all kind of manners, opt-out, opt-in, explicit, I don't know. And in Article 89, the regulation says that it shall not impose additional obligations set out in that e-privacy directive. My point of view, this is, I don't know, for law students, if you ask them what does it mean, well, my point of view means that the e-privacy directive prevails and that the regulation, as it says, shall not impose additional obligations. And then, I think this year I found in the working document of the Commission a phrase where I was struck and I didn't know what to say, where the Commission just publicly noted that from their point of view the e-privacy directive is a lex specialis, which is like overriding the general rules, and is lex specialis for the electronic communication sector. And so apparently, the Commission thinks that the e-privacy directive will still be valid after the regulation is in force and will prevail the provisions of the regulation, because the regulation shall not impose additional obligations. What does it mean? That we will not see any changes regarding the use of cookies and the question of consent in the different member states. Unless the e-privacy directive is repealed or changed, or I don't know. But if I read this is the result from my point of view. And I think perhaps the Commission also saw the problem, because they are, or Mr. Oettinger, the Commissioner, already said that he wants to revise the e-privacy directive, but after the regulation before. So, okay. I don't complain as a lawyer, but it's somehow ridiculous what is drafted, and you think, aren't you thinking about practical issues? Last question, applicable law,
is there a possibility to really choose data protection law in contracts, for example? Can Facebook say, okay, user, if you registered, then in our contract we say we're choosing, I don't know, for German users they say they're choosing German law, and I don't know what other law they say for other users, but the question is that possible? And we had several court court decisions exactly about this question, and the court decisions are also divergent. So there's a administrative high court, which does not, this is of course not possible, because data protection provisions are overriding mandatory provisions in the sense of private international law, so you cannot deviate from them. And we have a civil high court in Berlin who said, yeah, that's possible, of course, they can freely choose the applicable data protection law. From my point of view, it's not possible to choose the data protection law, because the directive says, in case this and this requirement is fulfilled, then the national law of that member state applies, period. Of course, this problem will not arise in the future under the regulation, because the regulation says I'm a European regulation and I will apply. You cannot choose a member state law, or at least that's not the reasoning behind the regulation. But of course there might arise situations where this could be an issue, especially since national data protection laws will still exist to some degree. And the question might arise if it is possible to freely choose applicable data protection law in international contracts and agreements. So is it possible for a European party to deviate from the provisions of the regulation? I have no answer to that question. I would think no, it's not possible, because if a regulation applies, the regulation applies. You cannot say I'm not considering myself in the applicable under the scope of that regulation, because it's binding in every member state, directly binding. And if there's no provision in the regulation itself, I don't know, it's more difficult. Yeah, leaving you totally concerned and without answers. thank you very much. Okay, going last is tough. my name is Rose Ring. I'm a litigation partner at Munger, Tolles & Olson based in San Francisco. Most of my clients are technology companies that were right in Silicon Valley, so I represent, you know, all of the bad data users. And I have to tell you, so I told them all, I'm coming here, I'm gonna learn all about the EU regulation, it's gonna be great, I'm gonna come back and explain it. And this last session, I don't know if I'm gonna be able to do that, but I have here just a very straightforward list of issues that I am discussing with my clients, but I wanna begin by kind of putting it in context. As a litigator, so I represent the companies when they get sued.
So I represent Google, Facebook, LinkedIn, and we get sued all the time. And as I watched these presentations today, we just have a totally different approach to these issues in that what's being regulated here and defined in advance, there's none of that in the United States. There are no standards. There's nothing to say that you have to provide a certain level of protection and what that protection has to be. When something goes wrong, and if you haven't done the right thing, you get sued. And then we litigate. So the notion of having all of these things set up in advance is very new to us. And I think the reason for it, the fundamental difference, which brings me to my second kind of global point, is I think there's a feeling that having this much detail and restraint inhibits innovation. And so in doing that balance, I think, what our system has done is to say, be as creative as you can, come up with anything you can, you know, come up with these new services or these new options or whatever, and then if something goes wrong, we'll deal with it later. So the first issue that, you know, I have to deal with my clients is whether we're going to apply this regulation as a baseline, meaning are we going to use these rules for U.S. members or for members in other parts of the world, or are we going to treat residents of the EU differently? And that could mean that residents of the EU don't get the same services that, you know, U.S. citizens get, and that may be an unintended consequence. But in any event, this presentation assumes that we're just looking at the EU citizens. So obviously the first question is to determine, does the regulation apply? So, you know, we've been trying to work through this. There was real, obviously it was unclear. A lot of the companies are based in the United States. We have a presence in the EU. A lot of the processing was and is occurring outside of the EU. There was ambiguity as to what that meant and whether it matters, and no more. It applies. So in some ways, that's good. It'll be clear going forward. And then the other kind of, you know, big picture questions and issues that we have to discuss and that we are discussing is, you know, how does it impact your business model? So if, for example, you are a business which is a free service, for example, and the way that you offer that free service is by monetizing data, you can't really do that in a way that, you know, a lot of these companies have really built their business models around. Cloud computing, you know, I have a client that's in cloud computing, you know, restrictions on transfers, and, you know, one of the purposes of that business is to have economies of scale and to make things seamless. Well, you can't do that if you have to have different rules and drastically different rules for different types of data. And these are just some other examples. I mean, financial, you know, insurance industry, where everything they do is based on profiling and risk assessment. You can't really do that, or you have to be careful in the way you do it. So first, again, so just determine, does the regulation apply? If it does, you know, big picture, how is it going to affect your business model? The next is to investigate and document your data flows. A lot of companies, the more sophisticated ones obviously, are very well aware of this already, but many companies are not. And there's no malintent, it's just they collect data and they don't keep track of what they do with it, who is using it. They have, especially in the Silicon Valley, there are some very, very smart engineers who are always coming up with new and great things, and they're not thinking about data protection. They're thinking, what cool thing can we do now? Which as a business matter is great, but as a legal matter, it means, you know, they're gonna be getting a visit from me. And this is a very significant effort. So I'm advising my clients to start now because it requires a lot of investigation, interviewing a lot of employees, that sort of thing. And if you don't know what your data flows are, if you don't know what data you have, where it is, you can't even begin to comply with the requirements.
So planning for these privacy impact assessments and internal audit testing, I mean, this is like totally new thing. So the idea, well, let me back up. The privacy by design is not a totally new idea. That is something that our Federal Trade Commission, which oversees a lot of consumer issues in the United States, and the White House and various other government organizations have been talking about for a few years now. So again, the more sophisticated companies are already well aware of this concept of privacy by design and are already trying to build it into their processes. But doing a privacy impact assessment is going to be a new thing. And there are a lot of processes. Conducting those assessments is going to be very burdensome. And then what you learn through the assessment might require a fundamental change in the way that you do things. And I anticipate there's not going to be a lot of leeway in giving us time to do those things once we identify them. And this is all related to, this one's related to everything, really, is to evaluate your personnel and your IT systems. So some companies, they don't have anyone that's focusing on privacy right now. Again, most sophisticated companies do, and certainly the ones that we've all heard of, but many don't, and even the ones that do, they have, you know, they may have five or six people, but to comply with these types of requirements, it's gonna require a department of people. And moreover, the systems, and this is goes back to the second kind of big picture point I raised, is the systems are built to do things the way they're built to do them right now. And they may not be built to do auditing, to do tracking, to do the kind of things that now the companies are gonna be required to do. And then the question is, do we build new systems for everyone, or do we build a separate system just for EU residents? And you know, that will have implications for how EU residents are treated in terms of, you know, what services are offered or what can be offered under the restrictions that they're going to be subject to. And it affects everything. It's just the right of access, data portability, the right to be forgotten, that's a big one, of course. You know, how do we implement those things? Because they're in many situations, are just not the tools available right now. Data breach and data security standards and procedures, I touched on this. We are, in the United States, very well aware of data breach issues. We do have data reporting requirements. They're generally handled at the state level, and they're very strict. And so that, I think, most everyone is, you know, up to speed on. And whenever you have a data breach, you get sued. And you get sued over, you know, did you have enough protections in place, et cetera. But there's no standard to determine what that level should be. So, for example, in litigation, in private litigation, what you end up litigating is whether it was fraud. So the theory is LinkedIn, we just settled a case involving this, and the theory is I, as a LinkedIn member, thought that you were going to provide me X level of security, and you didn't, and that's fraud. But it's not very helpful in, you know, really having a system where you can set expectations in advance and avoid litigation. So anyway, I think this is probably the one we're doing best on, but we need to do even more, and we need to designate people that are responsible to monitor it and deal with reporting. Contractual relationships. So this has been discussed by a number of speakers today. New requirements for when you work with third parties. And I have been vigilant about this for years. Anytime you have any third party dealing with any data that belongs to your customers, you have to have very strict requirements, limits, et cetera, in those contracts. And obviously the regulation provides even more strict limitations and more specific requirements. So these companies need to review every contractual relationship they have. Consent. I think this is the most difficult issue facing U.S. companies, because right now
we often will make a consent argument in these litigations, and they're often based on the terms of use, which when you sign up for Facebook or you sign up for LinkedIn or you accept the terms of use. And there's a privacy policy generally that's either been incorporated into the terms of use or sometimes it's separate, and there's reasons to do it that way. And different companies choose different ways to do it. But I'm not sure how that's going to go for EU residents. I mean, this is something that US citizens understand, and you know, some courts agree with you and some courts don't, but this seems to be problematic under the new regulation to rely on, you know, terms of use. And then it's the right to withdraw consent. We have nothing like that. I mean, you can deactivate your account if you don't like it, but there's not another way to deal with that, and so we have to face that issue. And I think that, and I was trying to understand these last week, but the purpose limitation restrictions, legitimate interests, you know, requirements, I mean, these are, and even evaluating the type of privacy risk, I mean, these are value judgments, a lot of them. And I think that the US in general, I think both the government and the citizens have different opinions about their privacy rights. I mean, some people don't care at all. It's like, oh, I get my free Facebook service, they don't care. And so, is that going to injure you? Is that going to create a risk? You know, some people will say yes, some people will say no. But it seems, here in the regulation, we have a standard. And I'm not sure exactly, what it means, but I think, obviously it'll be playing out, and until it does, we'll have to, I think be very conservative in the way that we approach it. And then finally, not much time, this cultural shift, which I think is the most important thing that US companies can be doing right now, which is basically educating people in your company about what the regulation is, what it does, but not only the specific requirements, because I think, as we saw today, you can get lost in the details of it, but it's really a cultural difference. These things are not intuitive to US companies, to US employees. They think they're nuts. I mean, to be honest, they can't even, when you try to explain this, it's just complete shock. But then I think a lot of these are wonderful, and I would prefer that they be dealt with in a way like this rather than I have to litigate, I have to go to court against crazy people who are making these arguments and they just want money. So I'm not saying they're crazy, but when you explain them at first, it's hard for people to really internalize them so that they will follow them when they're doing their jobs. So part of what I do is I try to explain, there are cultural differences between the United States and Europe, and there are reasons for that. And it goes into our history and our cultures and all of that, and I encourage my clients to go into those details so that people, instead of trying to memorize these really specific rules which they're not going to remember, or if they can internalize the values and the goals that are embodied in the regulation. So practically speaking, just have your compliance personnel work with the business, come up with policies that are going to impact the business as little as possible and still comply with the regulation, because the penalties, the fines, the consequences for violating the regulation, they're scary. And believe me, you've gotten our attention on that. The EU has, the penalties are very, that has caused everyone to sit up and take notice. And then finally, going back to, again, the big picture point, concepts like the right to access, data portability, that's going to require, in addition to just trying to comply with the specific requirements, US companies they have to rethink some of the most basic things about what they do, their business models. Data portability, for example, again, a model where you're providing a free service in exchange for this data that then you sell or you use to make money. If someone can just take their data and then give it to somebody else,
I'm not saying it's wrong, but it's a complete change to the way that these companies were conceptualized and the way that they run. And you know, there has been some litigation also over this issue, where you have for Facebook or for LinkedIn, where people have brought lawsuits saying you shouldn't be sending an email with my name in it to my friend on Facebook to try to get them to, you know, do whatever it is, because that's my name. And if you're making some money off my name, I should be making that money off the name. I don't know if that's right or wrong, but concepts like the right to access certainly acknowledge that is something that consumers should have a right to. And in the United States, you know, that's not where we're at yet. So that's it. If you have any questions, I don't know. Are there anyone from the U.S. here? Just me? All right, well, thank you for your patience.